Alors voilà, c'était le plan de match. Il restera à voir vers la fin du quatrième quart si ce sera respecté, Pierre, de part et d'autre. Le Stade Iverwin, sous le soleil, hier, ici à Hamilton, il pleuvait sans arrêt. Ce matin, vers 7 heures, c'était encore de la pluie. Et puis, depuis maintenant, oh, à peu près une demi-heure, on a un beau soleil sur Iverwin Stadium. C'est un endroit, en fait, c'est quasiment une institution de football, ça, quand on parle football canadien. Les Ticats y jouent depuis je ne sais combien d'années. Et pour la première fois depuis qu'on a joué à Toronto à l'extérieur, au Varsity Stadium, on joue à l'extérieur. Oui. Nuageux. Ciel variable, c'est ce que nous avons avec un petit peu plus de soleil. 9 degrés, on aurait pu avoir rendu à la fin novembre comme ça des moins 9 facilement. 20 % de probabilité d'averse et un peu de vent. Alors la table est mise, Pierre. On est prêt pour ce premier match de la Coupe Vanier Desjardins de l'histoire. Alors les Huskies qui débuteront le match avec le ballon. On voit Mathieu Leblanc qui remplace Stéphane Larousilière qui effectuera le botté d'envoi. Mathieu Leblanc de Saint-Bruno, c'est notre joueur du match la semaine dernière. Botté d'envoi court capté à la ligne de 35. Le ballon qui est saisi par Graham Bell. Court retour, mais le botté n'était pas long. Sur le terrain, l'attaque des Huskies avec Steve Billan, c'est un joueur qui, en plus d'être un bon joueur de football, a été champion provincial de lutte en 95. Alors, il est fort. Alors, on pourrait se débarrasser de la pression avec certaines techniques de lutte. On va vous présenter ceux qui sont avec lui à l'attaque. Les receveurs de passe, il y en a 5, on décide d'y aller au sol dès le départ. Et il y a 2 joueurs du Rouge et Or qui le suivent et qui réussissent à le plaquer. Alors, du côté de Laval, du côté défensif, Pierre. Alors, un excellent front défensif. Il faut souligner le travail de Marc-André Dion, numéro 99, qui était sur la première équipe d'étoiles canadienne. La tertiaire qui excelle. Alexandre Vendette, le numéro 26 de demi-de-coin, a déjà 4 interceptions pendant les séries. Un deuxième essai. Et 6. Billan, la passe. Oh, quel attrapé! Un attrapé absolument superbe dans le territoire du Rouge et Or. Et je regardais la réaction de Billan qui s'est fait frapper solidement. C'est relevé. On sait qu'il joue en dépit d'une blessure. On voit Glenn Constantin qui envoie les signaux à sa défensive. Un gain de 20 verges. Premier essai, on est à la ligne de 49 dans le territoire du Rouge et Or. La même formation avec un seul joueur au champ arrière qui maintenant prend le ballon, court avant d'être plaqué. Le premier à lui mettre la main au collet, ou peut-être pas au collet, mais au cheville, c'est Philippe Audette. Un beau gain au premier jeu, c'est pas loin de 8 verges. Lorsque la défensive de Glenn Constantin, il m'a enseigné le travail de Marc-André Dion, première équipe d'étoiles au Canada en 2004. C'est sa cinquième année. Et Alexandre Vendette qui a déjà 4 interceptions en série en 2004. On sait que Mathieu Proulx en a 3 et Vercule en a 1. Donc, il y en a déjà 9 interceptions de la tertiaire. Formation en I au champ arrière, puis maintenant un seul joueur. Il attend patiemment et je pense qu'il a réussi. Il devait se rendre à la ligne de 39 pour gagner le premier jeu. Ce sera pas loin. On va peut-être même faire appel au chaîneur. Oui, c'est ce que l'on fait. Alors, c'est un bon départ à l'attaque pour les Huskies. Alors, on voit ici l'arbitre qui demande le mesurage. On sait que lorsqu'il y a moins d'une verge, on demande au chaîneur de s'amener sur le terrain. Et on voit que ce sera une situation de troisième essai. Oui, dans une position où il se retrouve en territoire ennemi. Est-ce que ce sera la faufilade ou remettons le ballon au champ arrière? Billan porte lui-même et il gagne, selon moi, Pierre. Oui.
On voit l'arbitre qui vient d'indiquer le premier jeu pendant qu'on voit Brian Torres, 21e saison chez les Huskies comme entraîneur-chef. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'entourage de ce programme. Il a été joueur, a travaillé au département d'éducation physique et est maintenant entraîneur-chef depuis 21 saisons. C'est un gars qui, en plus, est né à Moose Jaw. Donc, c'est Saskatchewan au grand complet dans son cas. Un autre premier essai pour les Huskies. Bilan est bien protégé. Le ballon a été touché. C'est intercepté. Le ballon qui est ramené par Yves Hercule, toujours au bon endroit. Le ballon a été touché à la ligne d'engagement. Oui. Et le maraudeur s'en saisit. Un revirement. Alors, la pression était très forte. Et Hercule, qui connaît une saison extraordinaire, était encore une fois bien positionné. Feinte de course passe. Et c'est, je crois, Marc-André Dion qui est venu gêner le corps. Vous allez voir. Est-ce que c'est Dion au rebédé, le 99, qui vient gêner? Et on voit sa force, hein, ce débarrage du joueur de ligne, et avec un seul bras réussi à tirer sur le gilet de Bilan. Et c'est un revirement. Lefebvre qui court vers sa gauche, décide de porter le ballon. En fait, il n'y avait guère le choix. Se rend jusqu'à la ligne de 50. C'est un beau gain au départ. Alors, à l'attaque, on a Huerta Flores, candidat au trophée Ed Crichton, joueur par excellence. Il faut le surveiller presque tous les jeux. Alors, une bonne ligne à l'attaque aussi. Il faut souligner le travail de Pierre Tremblay, membre de l'équipe d'Étoiles au Canada. Michael Côté, troisième départ comme centre. Sébastien Dion, Ostigui, Brodeur, une excellente ligne. On y va au champ arrière avec Huerta Flores, arrêté immédiatement. Ne gagne pas le premier jeu. William Leclerc, semble-t-il que je l'ai appelé Lefebvre un petit peu. C'est un Lefebvre qui avait été le premier joueur à gagner le trophée du joueur le plus utile à la Coupe Vanier. On voit le front défensif de la Saskatchewan. Un joueur à surveiller, le 65, Ryan Gottselig. Trois sacs du corps en série, une excellente tertiaire. Notez le demi de coin, le numéro 1, Ryan Barnstubble. Il est sur la deuxième équipe d'Étoiles canadiennes cette saison. Huerta Flores, on vous a mentionné, on doit le surveiller à tous les jeux. Ça devient le cas. Il est également botteur de dégagement. A maintenu une moyenne de 37,4 au cours de la saison avec son plus long à 62 verges. Boité, capté à la ligne de 30 et le plaqué réussi à la ligne de 32. Un plaqué sévère. Tu parlais, Pierre, qu'il fallait jouer physique. On en a eu la preuve. Boité, 34 verges, pas de retour. Vous regardez depuis Hamilton, le match de la Coupe Vanier Desjardins. Moi je m'entends pas, là. Moi non plus. Père Noël et les partisans du Roger Or, ils sont nombreux, ils sont bruyants. Et depuis toujours, ce sont des partisans vraiment assez exceptionnels. Et la semaine dernière, leurs rivaux les ont même appréciés, c'est tout dire. Premier essai, les Huskies de l'Université de la Saskatchewan à l'attaque. Départ de leur ligne de 31. Et c'est au sol avec une très belle ouverture. Ça a été bien fait, cette remise. Il est bon, hein, pour le 9e porteur de ballon, Chad Nonweiler. Excellent jeu d'attirer. On attaque au centre de la défensive. On sait que le Rougeard s'est ajusté en début de match. On jouait avec les plaqueurs défensifs positionnés à l'extérieur des gardes parce qu'on craint beaucoup les courses à l'extérieur. Les Huskies ont gagné en moyenne 9 verges avec des courses à l'extérieur lors des séries. Donc, on veut contrer ça, mais on devient plus vulnérable au centre, par contre. Un deuxième essai et 3. Il y a déjà eu un revirement, une interception. Celle de Hivercule, et là, on s'en vient en tombe. Il y a pénalité. Et il réussit à trouver l'ouverture. Nonweiler est un coureur rapide. Il est fluide et il est intelligent en plus. Il sait trouver la brèche. Et je te dirais que Brian Torres était très content qu'il soit aussi étudiant à temps plein à l'Université de Saskatchewan parce que, oui, c'est toute une histoire, lui. Il a joué toute la saison avec les Hilltops de Saskatoon, une équipe junior. La saison se termine et Brian Torres s'aperçoit qu'il est un étudiant à temps plein à l'Université. On voit, c'est un hors-jeu contre le Rougeard, donc ça sera refusé. Et donc, il lui demande, écoute, ça ne te tenterait pas de venir continuer ta saison de football avec nous? Et depuis qu'il est arrivé, a permis aux Huskies de gagner 2 matchs en série parce qu'on sait que le corps était blessé pendant les 2 premiers matchs. On y est allé avec un corps substitut à ce moment-là, Mark Fader.
Un premier essai à la ligne de 45. Dylan regarde vers sa gauche. La passe, elle est captée. Tu parlais de gros receveurs. On en a la preuve, là. C'est un gros bonhomme, Drew Kendall. Ah oui. On envoie trois receveurs du côté gauche du terrain. Et les deux demi-insérés se suivaient un en arrière de l'autre. Regardez, vous voyez la formation au bas de l'écran. Les deux demi-insérés sont un en arrière de l'autre. Donc, un qui décide de partir en ligne droite, le deuxième qui revient à l'intérieur. Donc, ça crée un peu de confusion et la défensive ne peut pas réagir aussi rapidement. Autre premier essai, et les Huskies sont encore une fois dans le territoire du Rouge et Or, à la ligne de 53. Au sol, et cette fois, oh, j'allais dire, on arrête le porteur de ballon derrière la ligne de mêlée, mais non. En plus d'être rapide, il est puissant et ça devient un gain. Quand tu gagnes 4 ou 5 verges au premier jeu, ça va bien. Et surtout contre le Rouge et Or, lorsqu'on sait que le Rouge et Or en série a accordé en moyenne 1,8 verges par course. Donc une domination de la ligne d'engagement. Mais comme tu l'as mentionné ici, on a eu droit à une bonne course. Bon ajustement à la ligne d'engagement parce que le Rouge et Or a joué de façon agressive avec le blitz. Deuxième essai et 6. Nous sommes au premier quart, 0-0. Il n'y a plus personne au champ hier. Bilan recule, cherche vers la droite, trouve son receveur. Ça va donner un autre premier essai. La passe qui est captée par Chad Rampel. Bon, on a tiré ce que j'appelle étirer le demi de coin. On a envoyé deux joueurs devant le demi de coin. Un qui est parti en zone profonde, donc a fait reculer le demi de coin. Le deuxième receveur revient devant le demi de coin. Donc, ce qu'on appelle là, influencer un demi de coin avec le premier receveur pour permettre au deuxième de se dégager dans la zone courte. D'un côté, Aaron David, un des bons receveurs de l'équipe avec 39 passes, on ne l'a pas vu jusqu'ici. Mais c'est de l'autre côté qu'il regarde. La passe, elle est... Oh! Elle est ratée. La couverture était vraiment là, très étanche. Aucune possibilité pour le receveur. Et dans ce temps-là, tu te poses toujours la question, oups, est-ce qu'il y a danger de pénalité? Ah, il y a toujours danger de pénalité sur les longues passes. D'ailleurs, moi, je suis d'avis offensive pendant le match. Faut tenter, faut donner la chance premièrement à nos receveurs d'effectuer de longs attrapés, mais aussi de prendre la chance de mettre de la pression sur les demi-défensifs. Brian Torres qui confiance à Steve Billen. 6 pieds, 215 livres. 26 ans, le joueur de quart. Passe rapide, c'est trop haut et c'est venu bien près d'être intercepté. Le ballon est arrivé là, soudainement. Les mains du défenseur. C'était pour Kendall encore. Ah oui, la passe était décochée avec beaucoup de force. Il faut dire que Kendall a peut-être été un petit peu nerveux parce qu'il y avait deux joueurs du Rouge et Or qui avaient très bien réagi. Donc, il était pris là, dans l'étau. Et c'est peut-être aussi bien pour lui que la passe ait été échappée. On indique pour Kendall 6 pieds 1, 190 livres, mais j'ai l'impression qu'il est plus grand et qu'il est plus gros que ça. Ah, puis on regarde Hofford, 6 pieds 3, 215. Dégagement qui est dans la zone de but et ça va donner un point aux Huskies de l'Université de la Saskatchewan. Ils s'inscrivent au pointage. C'est 1-0 pour regarder depuis Hamilton la Coupe Vanier des Jardins. Nous sommes de retour au stade Iverwen où on a une belle foule. On avait hier pas loin de 10 000 billets de vendus. Et sur les 10 000, il y en a quand même pas mal qui ont été achetés par les partisans du Rouge et Or, qui sont faciles à reconnaître. Premier essai, Laval, de la ligne de 35. Courte passe, captée. Oh, le plaqué qui est réussi. Ça devient un gain de 7. C'était de Leclerc à Leblanc. Ça, c'est un jeu qu'on voit beaucoup là, à tous les niveaux de football, mais c'est un jeu qui est facile à exécuter et qui a toujours la chance de donner un gros jeu. Cette fois-ci, Leblanc va chercher 8 verges environ, à profiter d'un bon bloc de Mathieu Charron. Mathieu Charron, qui sera d'ailleurs notre invité à la mi-temps, notre profil Ernst & Young. Oh, l'effort est louable, mais il va manquer une verge. Ouais. Et là, est-ce que Glenn Constantin poursuit avec ce dont tu parlais la semaine dernière? Quand c'est une verge, on y va. Et là, je crois qu'ici, on ne prendra pas de chance parce que c'est tôt dans le match et il y a plus d'une verge. Oui, une verge et demie. Et c'est pas certainement un manque de confiance envers son unité offensive, mais c'est surtout
Glenn Constantin, c'est un entraîneur qui doit prendre des décisions là, selon ce qu'on dit, le livre de jeu, là, by the book, excuse-moi l'expression anglaise, mais c'est tôt dans le match, il faut travailler sur le positionnement du ballon sur le terrain. Mais attention, il y a déjà eu des jeux surprises. Mais on est tôt dans le match. L'équipe qui tire de l'arrière, 1-0, il y a eu un simple tantôt, il ne faut pas l'oublier. La remise est bonne et Huerta Flores y va d'un bon dégagement. Capté à la ligne de 29. Pénalité sur le jeu. Le retour était effectué par Aaron David, un botté de 36 verges. Est-ce qu'on a bloqué par derrière? Parce que on vous dira ça au retour de la pause. C'est 1-0. Regardez la Coupe Vanier Desjardins à RDS. Sommes de retour au stade Iverwin. Le Rouge et Or à l'attaque a marqué 222 points, 27,8 par match et n'en a accordé que 8,2 points par match. Il y en a déjà un qui est au tableau indicateur. On y va avec le balayage et le contact est solide, sévère sur Chad Nonweiler. Ouais, Nonweiler, on voit là, qui a ce que j'appelle a terminé sa course. Mathieu Prou est venu pour le bloquer et je vous dirais que dans ce cas-ci, Nonweiler a été le marteau et le pauvre Prou a été le clou. Vous allez voir le contact et regardez bien la réaction de Nonweiler. Voit que le demi-défensif s'en vient, regardez, il va baisser l'épaule. Boum! Il dit tiens, à chaque fois que tu vas me voir arriver dans ta zone, il va falloir que tu payes le prix pour venir me plaquer. Il y a déjà un paiement d'effectué. Ouais. Je sais pas si c'est en versement, là, mais. Steve Billen et l'attaque des Huskies. J'allais dire des Riders, évidemment, c'est la couleur de Saskatchewan. Billen avec une longue passe qui est captée. Non! Oh, c'est venu bien près de réussir et c'est été pour Jeff Sheeman tout un attrapé, tout un catch. Ah, quelle réaction de Martin Gagnon! Sheeman, je crois, avait le ballon en entre les deux mains, mais Martin Gagnon est venu le rabattre. Vous allez voir la réaction. Regardez bien Gagnon. Oui. Lui fait perdre le ballon, donc belle réaction du 34 du Rouge et Or. On va revoir de cet angle. Le ballon arrive dans les mains et effectivement, tu as raison, Pierre. Parce que c'était un attrapé. Ah oui, c'était un attrapé, là. Un dégagement pour Brad Olin. Une moyenne durant la saison régulière de 35,4 pour recevoir... Il y a Nicolas Bisaillon. Oh, c'est venu près d'être bloqué. La pression était forte. Bisaillon au 50. Tente d'aller vers l'extérieur, mais trouve sur son chemin un bonhomme qui est là et qui le plaque. En l'occurrence, c'est Maudie Morley Miller. 36 verges et il y a pénalité en plus. Ouais, bloc illégal, je crois, contre le Rouge et Or. Alors, on joue la position sur le terrain. Au retour de la pause, on sera en mesure de vous dire où sera le ballon pour cette prochaine séquence à l'attaque pour le Rouge et Or. J'ai l'impression qu'on va rester ici, on va savoir plus vite. Ouais. Il y a le monsieur préposé au pause qui était sur le terrain, qui avisait tout le monde. Il y a une pause. Ma foi que oui, c'est vrai, mais on va rester ici. Ça va nous permettre justement de réaliser jusqu'à quel point ce Stade Iverwin est pas rempli, là, quand même. On parlait du plan de match, Pierre. Évidemment, là, dans tout ce qu'on a mentionné, il ne faut pas... Il y a des classiques qui sont là à tous les matchs, hein, comme protéger le ballon, donc pas de revirement. Les unités spéciales ont un mot à dire tôt ou tard dans le match. Et la discipline. Et je regarde les statistiques. La semaine dernière, Saint-Mary's a eu 13 pénalités pour 206 verges. Wow. Les Huskies de la Saskatchewan, seulement 8 pour 49 verges. Donc, une équipe disciplinée. Là, c'est 150 verges de différence. Là. Donc, les Huskies de Saint-Mary's ont donné... un terrain et demi en pénalité de plus à la Saskatchewan. Il y a seulement... Parlant des Huskies qui ont gagné la semaine dernière, voici ce qu'ils ont fait pour se rendre à la Coupe Vanier. Ils ont d'abord défait UBC par 39-0. Ils ont battu, ils devaient être contents. L'Alberta 21-20, parce que leurs deux défaites en saison régulière, c'était contre leurs rivaux albertains, qui étaient des grands favoris. Et la semaine passée, contre St. Mary's, cette victoire dont Pierre vient de parler. L'attaque du Rouge et Or, aux deux premières possessions de ballon, on a dégagé. De la ligne de 38, Huerta Flores et à pénalité... Au jeu, est-ce qu'on aurait bougé trop rapidement? C'est un drapeau qui est vers la ligne de 34 dans le territoire du Rouge et Or. Alors, c'est contre
La Saskatchewan, si je me fie au signal de l'arbitre... Hors-jeu, oui. Et au langage corporel des joueurs du Rouge et Or qui se font un plaisir d'indiquer que les pénalités, bel et bien, c'est au bas de l'écran. Je crois que le joueur était tout simplement dans la zone neutre. On voit le 65. Gotsulik. Oui, Gotsulik qui était tout simplement là, mal positionné au début du jeu. Membre de la deuxième équipe d'étoiles au Canada, Ryan Gotsulik. Ça devient un premier essai et 5. Quelle sera la stratégie développée par William Leclerc? Un seul joueur au champ arrière. Huerta Flores va vers l'extérieur, tente d'y aller, mais tout de suite, il se retrouve avec un secondeur qui est là, qui s'appelle Darryl Balzer, qui devient son ombre. Et Pierre, le Rougeur, tôt ou tard, devra étirer cette défensive parce que je regarde le front défensif. On avait 8 joueurs de la Saskatchewan dans le front défensif. On joue homme à homme avec les receveurs de passe à l'extérieur. Donc, on commet le plus de ressources possible au front défensif, justement, pour ralentir Huerta Flores. Et on veut forcer William Leclerc à nous battre avec la passe. Son bras. Un deuxième essai et deux, Huerta Flores qui a perdu ce qu'il avait gagné tantôt et on devra dégager chez le Rouge et Or. On a vraiment étudié la stratégie à l'attaque. Et on a trouvé ce qu'il faut pour contrer cette attaque. C'est Marco Melchiore qui a réussi le plaqué. Alors, on va revoir. Et pour l'instant, on voit encore beaucoup de pénétration. Pour l'instant, la bataille des tranchées est gagnée par les Huskies de la Saskatchewan. Ce sont les joueurs défensifs qui sont toujours dans le champ arrière et non les joueurs offensifs qui reculent les joueurs de la Saskatchewan. Vous avez l'affiche de Huerta Flores. Botté court. Qui bondit à la ligne de 35. Il n'y a pas de pénalité et il n'y a pas beaucoup d'espace de manœuvre, encore une fois, pour Aaron David. Un botté de 25 verges, quand même, là, sur la bataille de la position sur le terrain. Les Huskies qui l'emportent. 1-0 seulement. Et le Rougeur qui devra se mettre à avancer offensivement parce que là, on commence à retrouver constamment la défensive sur le terrain. Donc, c'est une situation pour trois séries consécutives. On ne va pas chercher le premier jeu. On dégage immédiatement. Et la défensive doit revenir immédiatement sur le terrain. Et n'oublie pas que c'était un premier 5 en plus. Hein. Remise au champ arrière. Nonweiler qui est pas loin d'un premier essai. C'est un gain de pas loin de 9. Chad Nonweiler qui suit très, très bien ses bloqueurs. Gain de 9. Alors, c'est exactement là, le jeu dont le Rouge et Or, là, on craignait beaucoup ce jeu-là. On disait, c'est un des jeux qu'on doit arrêter. Il gagne beaucoup de verges à chaque fois qu'il l'utilise. Pour l'instant, ça fonctionne pour les Huskies. Toujours deux joueurs au champ arrière. Percy et Nonweiler. Nonweiler, ouf, cette fois-ci, oui. Son deuxième effort lui a permis, je pense, de gagner le premier jeu. Il devait se rendre... c'est fait. On vient de confirmer. Premier essai. Alors, ce n'est pas un hasard qu'on court du côté gauche sur une situation de court gain. On court derrière le gros plaqueur, bloqueur Chris Sutherland, 6 pieds 5, 325 livres. Un membre de la deuxième équipe d'étoiles canadienne. On voit justement le numéro 63. Probablement le meilleur joueur de ligne de cette équipe. De la ligne de 49. On y va rapidement avec Nonweiler. Et là, cette fois-ci, il était attendu de pied ferme. Il a beau foncer, bousculer l'adversaire, mais quand ils sont trois, et il y en a des gros là-dedans et des gars qui réussissent des gros plaqués, Abraham était de ceux-là. Et je regardais le travail des receveurs de passe et des joueurs de défensifs du Rouge et Or. Jean-Philippe Abraham, Mathieu Prou, Jean-Philippe Lantier, ces trois bonhommes-là vont avoir... sur la planche pendant tout le match parce qu'on court beaucoup du côté court et on amène beaucoup de bloqueurs. On va trouver une façon de se débarrasser de ces gens-là pour effectuer les plaqués. Nonweiler a été remplacé par Chad Rampole, un receveur de passe. Steve Dillon est seul au champ arrière. La passe, elle est rabattue. Oh, il est intercepté, mais il y a pénalité. Mais le drapeau a été jeté très, très longtemps. Est-ce qu'on indique qu'il y a eu obstruction? Je crois qu'on va dire que Alexandre Vendette est entré en contact avec le receveur de passe. Et on pourra peut-être voir à la reprise, mais Vendette a tellement bien lu ce jeu-là
Il l'a reconnu dès que Bilan a eu le ballon, mais aurait-il manqué de synchronisme? C'est ce que Peter Eadi, l'officiel en chef de ce match, vient de nous indiquer. Oh, il avait tellement bien lu le jeu. Tiens, surveillons. A voulu. Ouais, t'es entré en contact dans le dos. Ouais. Et ça, c'est un peu le concept au football. Lorsque tu arrives par en arrière et que tu frappes dans le dos, tu es fautif. Alors, ça devient un premier essai pour les Huskies. Nonweiler. Plaqué. Est-ce qu'on a échappé le ballon? Le ballon a été échappé selon les premières indications des joueurs. Mais ça compte pas, leurs indications. C'est l'officiel. Alors là, Nonweiler a été frappé. Là, ah, c'est oui. Fait. C'est fait. Alors, oubliez l'interception de tantôt, mais voilà un deuxième revirement. Le Rouge et Or qui reprend le ballon. Et là, c'est Glenn Constantin qui parle à son joueur de quart. Alors, on course du côté gauche à contre-courant. On revient au centre. Le corridor est excellent, mais c'est Martin Gagnon, je crois, qui lui fait perdre le ballon. D'ailleurs, dès le départ, on avait l'impression que Nonweiler n'avait pas possession, pleine possession du ballon. Presque au centre du terrain. Qu'est-ce que Leclerc fera? La feinte. Et Leclerc y va d'une passe en plein centre. C'est raté. C'était derrière le blanc. Dommage. Bien, c'est dommage pour le Rouge et Or, mais c'est important. Il faut dire à l'autre équipe qu'on va lancer aussi, qu'on ne fera pas seulement courir. Et même si ce jeu-là n'a pas marché, il faut que tu t'assures que la défensive adverse respecte toutes les facettes du jeu. Et ça, c'est un jeu important pour le Rouge et Or. Lacombe va venir donner des indications que Justin Étier a données pour William Leclerc. Déjà moins d'une minute à faire au premier quart. Oh, attention, il y a un blitz qui s'en vient. Et Leclerc se défait d'un joueur, cherche désespérément un receveur, n'en trouve pas finalement, oui. Et il... C'était Dwayne John qui était visé, mais là, ça devenait de plus en plus précaire comme situation. Je le lance, je le lance pas, je le lance pas. Bon, on amène le blitz du côté de la Saskatchewan. Luc Brodeur-Jourdain repère le blitz, s'amène à l'extérieur. Regardez le 68 qui va venir bloquer le 22. Sauf que William Leclerc doit aider son joueur de ligne et revenir à l'intérieur de la pochette. Mm-hmm. De la façon dont il s'est sauvé, une chance qui est gros et qui est fort, il a pu se débarrasser du joueur des Huskies avec son bras gauche. Mais il doit revenir à l'intérieur pour permettre à son garde de bloquer le blitz vers l'extérieur. Il y a un joueur du Rouge et Or qui est resté au sol. D'ailleurs, on se posait beaucoup de questions en ce qui concerne la présence de Sébastien Dion. Serait-il en mesure de jouer? Il est là, commence le match. Et qui est au sol actuellement, Pierre? C'est Jean-François Stigui, je crois, oui. Le bloqueur du côté gauche. Un bonhomme de Saint-Jean-sur-Richelieu, étudie en administration des affaires. Et quand on parle de bloqueur, ça devient évident qu'on dit gros bonhomme. 6 pieds 3, 320 livres, quatrième saison. Let's make some noise for your Huskies over there. Là, il faut faire attention sur le Rouge et Or parce que déjà qu'on a beaucoup de vétérans qui ont quitté, on a des joueurs qui sont blessés. Évidemment, on a la situation de Dominique Picard atteint d'un cancer. Ouais. Bon, on manque là, de profondeur au niveau de la ligne à l'attaque. Huerta Flores, son dernier dégagement a fait 25 verges. Sa moyenne jusqu'ici, 32. Et je regarde les Huskies qui... Tout le monde est debout. On veut surtout pas se faire prendre avec un jeu truqué. Mais ça aide la protection pour le Rouge et Or. Donc, on met pas de pression. Ça permet à Flores de dégager. Dégagement capté à la ligne de 25. Aaron David est plaqué à la ligne de 28. 33 verges le dégagement. Un retour de 3. Il ouais. Reste quoi? 26 secondes au premier quart. Les indications de Brian Torres à Bilan. Et l'un des entraîneurs adjoints de Brian Torres est Brent Schneider, qui trois fois a gagné le trophée du joueur le plus utile à son équipe à la Coupe Vanier. Oui. Joueur de quart également. Oui, c'est quand même assez spécial parce qu'il y a 11 entraîneurs sur cette équipe-là d'entraîneurs et il y en a 10 qui sont des anciens joueurs du programme de la Saskatchewan. Le respect de la tradition. Oui. Premier essai. Deux joueurs au champ arrière. Et encore une fois... Non, j'allais dire encore une fois, c'est à Nonweiler qu'on donne le ballon. J'ai pas l'impression que c'est le 31, ça, là. C'est Scott Stevens. Oui.
l'un des neuf qui sont passés derrière le joueur Steve Bilan comme porteur de ballon. Et Justin Étier qui étudie l'attaque des siens ou qu'est-ce qu'on doit faire pour... les premiers jeux, il n'y en a pas eu des tonnes au premier quart. Parlant de jeu, voici un deuxième essai. Et à moins de pénalité, dernier jeu du premier quart. Bilan, la passe captée. L'exécution est très, très belle et la passe captée par Jeff Sheeman, ça donne un premier essai. On court, on passe et nous, ben, on court à la bourre. On sera de retour dans un petit moment. Austin Haverwin, d'où vous parvient la Coupe Vanier Desjardins. Les statistiques après le premier quart vous sont présentées par GM. Pierre, 100 contre 20 et là, le temps de possession, 10 minutes contre 5. Oui. J'arrondis à 10 secondes près. Après un quart. S'il fallait que ce soit comme ça durant tout un match, l'équipe défensive rendue au quatrième, là, va être essoufflée. Ben, si la défensive continue à créer deux revirements par quart. Voilà la réponse. Oui, parce que... Mais je parlais avec Glenn Constantin avant le match, puis il me disait, Pierre, il n'y a pas beaucoup de failles dans cette unité offensive des Huskies. Et tu vois que c'est une équipe qui est bien entraînée parce qu'on essaie de toujours trouver des clés. Mm-hmm. Des petites tendances qui vont nous permettre de deviner le jeu. Comme l'écart entre les joueurs de ligne. Sur certains jeux, il est plus court. Sur certains autres, il y a plus de... T'sais, l'écart est plus grand. Mais Saskatchewan, tu vois que c'est une équipe qui est bien, qui ne veut pas donner d'informations à l'adversaire. Tout est bien pensé. Et on le voit, là. On voit avec Brian Torres. C'est pas pour rien qu'il a été 7 fois entraîneur de l'année dans la section ouest du Canada. Il n'était pas en nomination cette année et je dois t'avouer que je suis carrément déçu que ce n'est pas l'entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal qui soit l'entraîneur-chef par excellence cette année. Il l'aurait mérité, Jacques. Bon, pénalité, vous l'avez vu tout comme nous, ça a bougé très rapidement. Ah oui. Ceci dit, là, ce n'est pas simplement un commentaire gratuit. Une fiche de 8-0 après 3 ans. Puis t'as même du côté de Laurier, Gary Jeffries. Ben oui, aussi, oui. Une fiche parfaite. Mais consolation tout de même au niveau canadien. Le Hec Crichton n'a pas été gagné par un joueur du Québec, mais deux joueurs des Stingers sont les vedettes. Mickey Donovan, joueur défensif par excellence, et Troy Cunningham, joueur de ligne par excellence. Et on va parler de Kyle Williams plus tard, de Bishop. Course. Collins qui... Scott Stevens. Un gain de 6 verges. C'est un autre premier essai. Oui. Et encore une fois, balayage à l'extérieur. Et je regarde le langage corporel de certains joueurs du Rouge-Or. Mm-hmm. On voit qu'il y a de la frustration, les jeux. Là. Le porteur de ballon est patient. Les receveurs de passe continuent leur bloc. La ligne à l'attaque commence à dominer. Il va falloir essayer de briser cette tendance-là immédiatement. On est presque au centre du terrain. Ça en fait des premiers jeux, ça, pour les Huskies. Stevens au champ arrière porte très bien. Et là, les Huskies de Saskatchewan courent comme on est habitué de voir le Rouge et Or courir avec Huerta Flores et les autres. Ah, mais beau jeu ici. On envoie 3 receveurs du côté large, 2 porteurs dans le champ arrière. Le Rouge et Or décide d'envoyer un demi-défensif, Mathieu Proulx, de l'autre côté pour justement jouer contre les 3 receveurs. On revient avec le jeu du côté court. Donc, on a 2 joueurs de ligne, 1 centre arrière pour bloquer 2 joueurs de ligne défensive et 1 secondaire. Mais qui va prendre le porteur de ballon? Ouais. On crée un surnombre avec cette formation-là. Donc, on lit bien l'ajustement du Rouge et Or. On revient du côté court. Et là, c'est le fameux le jeu d'échecs entre les entraîneurs. Soyez assurés que Glenn Constantin va s'apercevoir de ça. Parce qu'on va garder le demi-défensif du côté court et on va sortir le secondaire extérieur de l'autre côté pour contrer la formation 3 receveurs du côté large. Mais c'est là la beauté du football. Ben là, oui, c'est... Tu viens de le dire, hein, c'est un jeu d'échecs. Ah, puis s'agit d'avoir les bons pions aux bons endroits. C'est un numéro 59, un garde qui est blessé. Michael Lowe's. On va aller à la pause. Vous regardez depuis Haverwin Stadium la Coupe Vanier Desjardins à RDS. Retour au stade Haverwin à Hamilton. Pierre, l'Ouest a gagné 15 Coupes Vanier, l'Ontario 15. Et on va aller faire un petit tour du côté de Marie-Claude Savard.
Je suis en compagnie de Dominique Picard qui a fait le voyage. Il est arrivé ce matin pour garder quand même ses énergies. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est inquiétant pour le Rougeur? On a l'impression que les Huskies sont rapides, hein? Oui, offensivement, ils sont très bien rodés. C'est une équipe, c'est les deux meilleures équipes au pays qui s'affrontent. Fait que c'est sûr, c'est un gros match. Puis on va voir jusqu'à la toute fin, j'imagine, qu'est-ce qui va se produire. Là, tu es assis sur la chaise, mais je te vois te lever des fois pour aller parler aux joueurs. Tu es très impliqué émotivement là-dedans. Oui, c'est sûr, j'aimerais ça aujourd'hui jouer. C'est un gros match, puis c'est sûr, je suis très impliqué. Les gars, je lâche pas, puis je les supporte jusqu'au bout. On va voir jusqu'à la fin du match, mais je suis avec eux autres. Et eux te soutiennent en retour, comment ça va? Oui, ça va bien. Je ne les ai pas vus beaucoup cette semaine, mais je sais qu'ils me supportent et on se tient fort là-dedans, puis ça va bien aller. Merci, Dominique. De retour à Pierre et Pierre. Merci, Marie-Claude. Et pendant ce temps-là, on a eu Scott Stevens qui a porté le ballon. A-t-il gagné un premier jeu? Ouf, il manque quoi? Non, il manque... Le nez du ballon? Oui, un tiers de ballon. Donc, on pourrait s'attendre à voir la faufilade du corps, mais... Sur le jeu, on a vu Scott Stevens... Il a réussi à se défaire du premier joueur, du premier bloqueur, premier plaqueur, pardon. Et encore une fois, le numéro 8, Jeff Sheeman, est arrivé, a quitté son poste de main serrée et est venu bloquer en angle un des secondeurs de ligne. Et ça a permis justement à Stevens d'aller chercher plusieurs verges. Bilan. C'est long, tente de faire bouger l'adversaire. Oh! Oh, oh! A-t-il échappé le ballon? Et là, je ne suis pas convaincu qu'il ait traversé la ligne d'engagement. Moi, oui. Oh, l'arbitre vient de le dire. Oui. Parce qu'il a glissé, a perdu pied, il est tombé carrément au sol. Tiens, revois. Lyon. Ah, c'était assez, mais... Oui. T'as un tiers c'était... de ballon que t'avais évalué, ouais, là. C'était vraiment... Une chance que c'était juste un tiers de ballon qu'il avait besoin. C'était pas convaincant comme faufilade. Mais... Ça va fonctionner. Dans le territoire du Rouge et Or, maintenant. Les Huskies sont à l'attaque depuis le début du match. Ou presque. Beau jeu en plein centre. La course qui fonctionne à merveille. Que ce soit avec Nunwaller ou avec Stevens, on réussit au premier jeu à aller chercher. Là, c'est Stevens. 6, 7, 8 verges. Alors, le Rouge et Or, présentement, est dans un dilemme parce qu'on veut tellement contrer les courses à l'extérieur qu'on positionne les joueurs de la façon pour les aider à contrer les balayages. Mais là, c'est en plein centre. Voit ça, revient en plein centre. Donc, on ne sait plus sur quel pied danser du côté du Rougeur présentement. On a eu un remplacement. C'est Offert comme receveur de passe pour Rempo. Et encore, oups, la feinte est belle. Longue passe qui est rabattue. Et quand on y va, contre Lantier ou Vendette, c'est pas facile. Ah non, on a une excellente tertiaire. Hein? Ah oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien, la tertiaire du Rougeur a réussi 9 interceptions en série. Donc en 3 matchs, une excellente moyenne de 3 interceptions par match. Lantier, évidemment, joueur de 4e année. Vendette de l'autre côté, 3e année. Proulx, Gauthier, 2 joueurs de 4e année. Et on a le petit nouveau, Yves Hercule. Bon, le petit nouveau, c'est sa 2e année. C'est le plus jeune dans la tertiaire. Mais... 6 interceptions en saison régulière pour Hercule. Le dégagement sera effectué par Brad Olin. La remise est basse. C'est court. Ça bondit à la ligne de 15. Et Dwayne John qui le ramène jusqu'à la ligne de 27. Un botté de 25 verges, mais il y a pénalité. Vous regardez depuis le stade Hyderwin Hamilton, la Coupe Vanier Desjardins, au Réseau des sports. Voici... un tableau comparatif intéressant. Les points marqués, on vous en a parlé tantôt, 276 contre 222. 34 points contre 28 par match, 4e et 9e au Canada. Les points alloués, bien là, c'est l'Université Laval qui domine, est en premier au pays, 8,2 points par match, mais 11,4 seulement accordés par les Huskies. Donc, bien, comme le disait Dominique Picard, hein, on a deux des meilleures équipes au pays à la Coupe Vanier. Premier essai. 2 verges de gain, ouais. Ça ressemble à ce qui s'est passé au premier quart. Et Pierre, je me répète, mais on a 4 secondeurs. Bien, on amène un demi-défensif qui s'amène dans le front défensif, donc ce qu'on appelle la boîte défensive. Donc on est 8 contre 7. Ouais. On ne peut pas gagner cette bataille-là. Il y a un bloqueur qu'on ne peut pas bloquer. C'est pour ça qu'il tôt ou tard, va falloir
ouvrir. Réussir des passes et forcer. Regardez encore une fois, là, on a beaucoup de joueurs dans le fond défensif. Un, deux, trois, quatre, cinq. La bonne protection pour Leclerc. Cherche, trouve un receveur. C'était Huerta Flores qui devenait en somme le dépanneur. Et même s'il capte le ballon, il aurait été plaqué durement. C'est Dwayne John après le botté ou lors du botté dégagement, il a été blessé. Et on doit dégager encore, Pierre. L'attaque, depuis le début, là, il va falloir qu'un autre joueur est blessé à la ligne de 45, joueur du Rouge et Or. Et c'est à souhaiter que Jean-François Roméo fait du cinéma. Oui. Parce que soyez assurés que si... je suis sûr qu'offensivement, on leur a dit, écoutez, là, donnez-nous une chance. Si on arrive au troisième essai, il y a un gars qui tombe par terre puis qui achète du temps pour la défensive. On doit se reposer. Tous les moyens sont bons. Donc, c'est une tactique qui est utilisée par toutes les équipes. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça ne coûte pas un temps d'arrêt. Oui. Sauf dans les rangs professionnels maintenant, dans les fins de match, dans les dernières minutes, là, ça coûte un temps d'arrêt parce que les équipes l'utilisaient souvent. Qu'on les pénalise maintenant. Ben, tu as tout à fait raison. Il n'a pas l'air très, très blessé. Le bonhomme qui a fait son football collégial à John Abbott. C'est un Québécois né. Quand je dis Québécois, né dans la ville de Québec. Dégagement. Huerta Flores. 1-0 jusqu'ici. La remise est très bonne. Tout le temps pour Huerta Flores d'y aller du dégagement qui bondit à l'extérieur. Ça, c'est un bon botté. Oh, il y a pénalité sur le jeu. On va... Je sais pas. Il y a une rudesse à la fin du jeu. On va voir est-ce que ça va être contre les Huskies. J'ai vu que Philippe Audet, numéro 9 du Rougeur, a été poussé là, longuement à l'extérieur du terrain. Est-ce que c'est contre lui que... C'est pas lui, c'est contre l'autre équipe. Bon, non, c'est officiel. 44 verges, le dégagement. Et c'est contre les Huskies, la façon dont ils se dont ils sont foulés. Mais ici, on parle du positionnement sur le terrain. Mais quelle séquence importante. Le meilleur botté de la journée de Flores. Mm-hmm. Aucun retour. 15 verges de pénalité contre les Huskies. Hey, c'est 60 et verges presque. Les Huskies, qui, eux, pensaient bien reprendre le ballon au centre du terrain, maintenant sont à leur propre ligne de 25. 24 plutôt. 24 même. Et là, les partisans du Rouge et Or qui attendent de manifester. Là. Jusqu'ici, l'attaque n'a rien donné. Alors, du côté défensif, il y a eu deux revirements et un point seulement accordé. Toujours au sol. Et là, on a bien réagi. Ah oui. Un court gain. Et on ne l'a pas dit souvent, ça, au premier jeu. Le Rouge et Or réussit à stopper, à contrer les efforts du porteur de ballon. On sait que les tendances de la Saskatchewan sont quand même assez évidentes. Sur un premier essai et 10, plus de 65 % du temps, ça va être une course. Et cette fois-ci, encore une fois, on amène les receveurs de passe aux extrémités de la ligne. Et on y va en puissance, mais Mickaël, Jean-Louis et Marc-André Dion ont fait du bon travail pour boucher les corridors au centre de la ligne. Deuxième essai et 7. Il n'y a plus qu'un joueur au champ arrière. Feinte. Courte passe. C'était derrière le receveur. Et en fait, celui qui avait le plus de chance de mettre la main sur le ballon, c'est Éric Maranda. Oui. Ça, c'est un jeu qu'on utilise souvent chez la Saskatchewan. La feinte de jeu d'attirer, suivie d'une passe rapide à Jeff Piercy qui, lui, quitte le champ arrière. Vous allez voir, le numéro 30 va quitter le champ arrière à la droite. On fait la feinte de course au 31. Et par la suite, regardez le numéro 4, va regarder immédiatement du côté du 30. Mais c'est Maranda qui avait très bien lu le jeu. Le ballon a touché au pied du receveur. Le dégagement. Oh! Il est bien fait, celui-là. Capté à la ligne de 35 et un bon plaqué. Plutôt à la ligne de 45. Perte de 5, un botté de 42. Donc, les batteurs de dégagement font le boulot là jusqu'ici. Ah oui, beau plaqué de Jason Corral. Et une chance parce que le mur de bloqueur est encore une fois bien installé pour le Rouge et Or, mais la détermination de Corral fait la différence. Le ballon est à la ligne de quoi? 41 maintenant. 9 minutes 18 à faire en première mi-temps.
On voit les statistiques de William Leclerc. Une passe complétée en 4 tentatives, un total de 7 verges. Ben oui, l'attaque au premier quart, c'était 20 verges contre 100. 5 minutes de temps de possession. Et depuis le début du deuxième quart, ils ont eu le ballon, quoi? 2 minutes? Pas assez longtemps, je te dirais, au goût des entraîneurs de Rougeard. Sûrement pas au goût de Justin Thiel, coordonnateur à l'attaque. Pierre, le Rouge et Or qui avait surpris l'adversaire la semaine passée, Sir Wilfrid Laurier. Le match, si je me souviens bien, avait commencé avec des passes. On s'attendait à voir Huerta Flores porter le ballon, le reporter, mais non, c'était passe. La semaine dernière, le Rouge et Or qui avait vraiment, parce que Laurier, pendant toute la semaine, ça amenait une maladie. C'était dit, il faut arrêter Flores. Donc, on a profité de cette agressivité et de cette volonté des Golden Hawks de vouloir arrêter Flores. Ben, c'est parfait. On va utiliser Flores pour vous influencer. Oui. On va revenir avec les feintes de course-passe. Je pense qu'il y avait un trouble avec le tableau indicateur. Les officiels sont revenus sur le terrain. La ligne de 40. On y va avec le jeu renversé. Double jeu renversé. Oh, qu'il y a eu un beau bloc. Et, oh là, s'il y a eu un beau bloc, il y a eu tout un plaqué aussi. Alors, un jeu, mais vraiment excitant, spectaculaire. Le résultat, deux verges. Ah, c'est William Leclerc qui est venu faire le bloc pour permettre justement aux receveurs d'aller gagner trois verges. On voit feinte de course à Flores. On remet à Mathieu Leblanc. Leblanc remet à Jean-François Roméo. Beau bloc de William Leclerc, mais quelle poursuite! Et quel plaqué! Le numéro 45, Tyson Craigs, a fait payer le prix à Roméo. Trois verges de gain, j'avais dit deux. Alors, 2 et 7, William Leclerc. Boucan roule vers sa droite, la passe, elle est captée. Et ce sera un premier jeu. Il devait se rendre à la ligne de 51. Un gain de 9, plus les 3 de tantôt. Pierre, des premiers jeux, combien il y en a eu? Oui. Je pense que c'est le premier. Je crois que c'est le premier, moi aussi. Ça, c'est important. Et finalement, on attaque les zones courtes. À l'extérieur, on sait que les Huskies aiment beaucoup jouer une défensive de zone où les demi-coins vont reculer dans les zones profondes. Donc, les zones courtes extérieures sont souvent vulnérables. C'est Lacombe qui a capté le ballon. Premier essai. On est au centre du terrain. Ouf, la remise s'était ardue, là. Et Huerta Flores gagne deux verges de grippe et de grimpe. Il fonce même 2,5-3. Je regardais à l'extrémité du terrain. Bon, le Dwayne John qui bataillait contre Rick Vandenemeer, le demi de coin. Je parlais des demi de coin qui jouent de façon reculée. Cette fois-ci, sur la dernière tactique, pression à la ligne d'engagement dans le visage de Dwayne John. Donc, une verge qui sépare le demi de coin et le receveur. Mm. On change les tactiques. Il n'y a que le maraudeur du côté défensif qu'on retrouve loin. Leclerc, la pression est forte. Et il avale le ballon. On a bien voulu lui arracher. Aucune possibilité pour Leclerc. Perte de 3 verges sur le jeu. Alors, les 3 qui avaient gagné tantôt, c'est perdu. Par contre, Pierre, je te dirais que Leclerc a été sage, n'a pas forcé le jeu. Parce qu'on voit trop souvent des carrières lorsqu'ils sont accrochés, le sac s'en vient, le plaqué derrière la ligne de mêlée arrive et on essaie de faire la passe du désespoir et finalement, ça donne une mauvaise interception ou un revirement. Ici, on protège le ballon. On dit, OK, on va dégager, on va ramener la défensive sur le terrain et on va espérer faire mieux la prochaine fois. Le jeu a été réussi par Marco Melchiori. En fait, toute l'unité défensive, mais c'est lui à qui on donne le plaqué. Et ça bouge vite. Le dégagement sort en touche à la ligne de 27. C'est un botté de 31 verges, mais c'est mieux d'avoir un 31 verges de botté, pas de retour, qu'un 45 avec 20. Bien, les entraîneurs vous diront, ce qui est important, c'est la moyenne nette. Voilà. C'est le botté moins le retour. Ce qui reste au bout de la ligne, c'est ça qui est important pour un entraîneur. Comme un compte en banque. Oui. Premier jeu, les Huskies. J'étais à la ligne de 27. Oh, 27-28. Est-ce qu'on y va? Au sol. Bilan. Fin de la remise. Bilan est receveur. La passe, elle est derrière
Alors, on a vu dès le départ que c'est Drew Kendall qui était le receveur sur le jeu. Ben, il a semblé avoir confusion. Il s'est tourné du mauvais côté. Je crois que Bilan s'attendait à ce que Kendall reparte dans la zone profonde en ligne droite. Bilan croyait que le receveur allait vers... Il y a eu confusion. Le receveur est allé vers les lignes de côté. Bilan lui croyait qu'il allait partir vers les lignes de côté et repartir le long. Confusion. Et moi, j'étais rendu confus, là. Deuxième essai. Et 10, les Huskies sont à l'attaque. La dernière fois, c'est ouf, on a bougé, mais mise en jeu illégale, il n'y a pas de pénalité. Plaqué réussi, ballon échappé. Il n'y a même pas eu possession du ballon. Mais là, j'ai vu bouger, Pierre. Ben oui, Steve Bilan. Procédure inadmissible légal, du carrière. Il a bougé, il a commencé son recul. Finalement, les arbitres n'ont pas vu la tactique. Mais le Rouge Or qui se ressaisit pour une deuxième séquence consécutive. On force les Huskies à effectuer deux jeux offensifs suivis d'un botté. Dominique Picard qui est là avec les siens. Ça, c'est un de mes favoris, ça, le Rouge Or. Hein, c'est... Comme tu l'appelles, le pic. Ah oui! Let's go! Dégagement. Court. Oh, c'est échappé! Et qui a pris possession du ballon? Attendons. Un botté de 29 verges. Je crois que c'est le Rouge Or qui a conservé le ballon parce que l'arbitre n'indique pas changement de possession. Donc, on a été chanceux ici. Oui. Quand un ballon et quand un botté est court comme ça, hein, souvent le bonhomme qui est là, le plus posé pour des retours, tente de le prendre, tu lèves les yeux et oups! Ouais, parce que les retourneurs, eux, pensent toujours au retour. Hein? Bon, on va regarder le développement. Là. Je prends le ballon, OK, j'évite ce premier joueur-là, je pars dans cette direction-là. Mais, comme tu l'as mentionné, si tu n'as pas le ballon... Le ballon. Ah, oui! Roger Or qui va entreprendre sa série à l'attaque. C'est pas arrivé souvent dans le territoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, Pierre, c'est l'exemple parfait du fameux jeu du positionnement sur le terrain. Le Rouge et Or, une fiche de 7 victoires et un échec en saison régulière, puis en séries éliminatoires. D'abord contre les Stingers de Concordia en demi-finale, 29-13. Victoire de 30-12 sur les Carabins au Sepsum. Il y avait du monde au Sepsum, il y avait du monde à l'antenne également. On en a eu des gens qui étaient là et on vous remercie d'ailleurs. Et puis vous avez eu la victoire la semaine dernière. Là, c'est le coordonnateur défensif qui parle. Ah oui, oui. Toujours en train de faire des ajustements. Et ce qui est intéressant, c'est que Glenn, il y a une défensive tellement expérimentée qu'il peut faire les ajustements. Et avant même qu'il termine ses ajustements, je suis sûr que les gars ont déjà compris. Ils savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est la beauté d'avoir des vétérans. Oui. Le bonhomme à qui il parlait, c'était Martin Gagnon. Dans la ligne de 54, deux receveurs pour l'instant. Au champ hier, William Leclerc qui semble leur donner des indications. Et là... On n'a toujours pas mis le ballon en jeu. Non. La remise, on n'a pas parti le chronomètre. Ah ben non, c'est la pause qui n'est pas terminée. Mais Pierre, je reviens sur le fameux jeu du positionnement sur le terrain. Oui. L'échange entre les deux derniers bottés, entre les deux équipes, le joueur a gagné à peu près 30 verges. Et ça paraît trois receveurs du côté droit. Ouf, on a bougé vite, ouais. Il y aura pénalité sur le jeu. Plaqué réussi. Il y a le receveur de passe à l'extrémité, là, face à nous, qui est parti beaucoup trop tôt avant que le ballon soit mis en jeu. Procédure inadmissible. Quelquefois, l'arbitre va tolérer quand il y a peut-être un demi-pas. Oui. Mais quand tu es rendu 5 verges plus loin, pas de tolérance. Tolérance zéro. Oui. Alors, premier jeu et 15. Alors, le Rouge et Or a commencé cette série à l'attaque dans son territoire, dans le territoire des Huskies. Et voilà l'équipe à sa ligne de 51 avec un premier jeu et 15. On n'a pas encore dit. Leclerc passe. John capt. Huerta Flores. On a... Pénalité sur le jeu. Il y a eu rudesse après le jeu ou encore est-ce que Craig a saisi le protecteur facial? On a retenu. Bon. On a retenu contre le Rouge et Or et Craig s'est amené sur une
une technique a attaqué l'intérieur du bloqueur. C'est amené dans le champ arrière. Holding on the offense. Penalty is declined. Second down. Alors, puisqu'il n'y a pas eu de gain, on dit non merci. Perdre des essais. Je viens d'entendre un des joueurs dire « ça va ouvrir ». À la gauche de l'écran, regardez, le 45 s'en vient. Donc, il y a deux bloqueurs, deux joueurs défensifs qui s'amènent contre Pierre Tremblay. Situation difficile, bloque le premier, essaie de bloquer le deuxième, mais finalement, on a retenu. 2 et 15. Le flair recule, belle protection. La passe, elle est pour Leblanc. Mais il était très, très bien couvert. Et Barnstable, le demi de coin qui est venu aider le maraudeur et le ballon est tout simplement tombé au sol. Oui, il faut dire que William Leclerc lance ses passes très haut. Mm-hmm. Et c'est le bon vieux principe que plus la passe est longue et plus elle est haute, plus les demi-défensifs ont le temps de réagir et de s'amener au ballon. Donc souvent, les receveurs vont être démarqués, mais le temps que la passe arrive et qu'elle redescende, ça permet à la tertiaire de s'ajuster. Un jour, il y aura peut-être un jeu surprise de la part du OGA. Pour l'instant, c'est Huerta Flores qui botte et qui rebotte. À la ligne de 25, ballon qui a été capté par Leighton Aron, un botté de 36 verges, peut-être 3 de retour. Et on a un match, je t'avoue bien franchement, avec 5 minutes 17 à faire en première demi, 1-0. Je t'avais dit ça avant, là. Outside chain. Yo. Let's go! Les attentes ont corrigé la situation. Si les pratiques passes n'ont pas été bien faites, s'il y a un problème à la protection ou quoi que ce soit, on corrige immédiatement pour revenir plus fort sur la prochaine séquence. On a remis le ballon au champ arrière et là, on a joué de façon plus agressive du côté défensif. Deux verges de gain, tout au plus sur le jeu. Bien, soyons généreux, allons-y pour 3. Miguel Robédé qui a réussi le plaqué. On a vu l'affiche de Bilan. Alors, formation à sec. 5 receveurs de passe. Donc, la tendance indique jeu de passe sur cette séquence. Voyons voir. C'est Brent Schneider qu'on voit, dont on vous a parlé tantôt. Quelques pas de recul. Passe captée. Ça va donner un premier essai à la ligne de 45. J'allais dire Dan Farthing, le numéro 10. Ça en est un bon, ça. Oui, mais il a joué son football universitaire avec les Huskies avant de se retrouver avec les Riders de la Saskatchewan. Et c'est Chad Rampel. Rampel court un excellent tracé crochet, s'installe entre deux joueurs du Rougeur. Le Rougeur qui est en défensive de zone. Ça prend... L'espace est plus restreint et le carrière doit être encore plus précis lorsqu'on joue de la défensive de zone. La pression était forte, mais donnons crédit aux Huskies. L'exécution était bonne. La ligne de 45. Premier essai. On a décidé d'y aller avec la passe depuis tantôt. Oh, que c'est bien fait! C'est bien réussi! Et finalement, Jeff Piercy est plaqué avant de se sauver pour se rendre jusqu'au bout. Mais comment Steve Billen a-t-il pu mettre le ballon dans les mains de son receveur? Regardez le numéro 30 à la droite de l'écran. Encore une fois, la fin de course revient derrière les secondaires. Mais regardez, l'espace est très restreint. Trois joueurs du Rougeur qui est là. Ça prenait une passe parfaite et c'est arrivé pour les Huskies. Un gain de 23 verges. On revient au sol et rapidement par ça du côté des Huskies. Alors au premier jeu, on y va avec 5 verges. Alors, cette fameuse petite passe au centre arrière qui quitte la ligne d'engagement, c'est le pain et le beurre de la Saskatchewan. D'ailleurs, la semaine dernière, Jeff Percy, 5 passes, 59 verges, 2 touchés contre les Huskies de St. Mary's. 2 et 5. La remise se fera sur 1, c'est ce que Bilan vient d'indiquer. Et on s'en vient avec un blitz. Et Bilan se défait d'un joueur. Réussit la passe. On tente d'arracher le ballon. Et pendant tout ce temps-là, il est fort, Rampel. Ah, oui. Il avançait. Il gagne le premier essai. Bien, Rampel, 6 pieds 3, 225 livres. Bon. Donc, on parlait des gros receveurs de passe des Huskies. On vient d'en avoir un exemple. Mais quel jeu de Steve Bilan d'éviter la pression. Vous allez voir,
à la droite de l'écran. Je crois que c'est Robédé qui va s'amener. On crée un surnombre. Donc, on n'a pas assez de bloqueurs pour bloquer Miguel Robédé, mais se fait contourner. Et donc, là, regarde, hein? Attaque l'épaule intérieure de Bilan au lieu d'attaquer l'épaule extérieure, se fait déborder et ça donne un premier jeu. De la ligne de 30. Passe derrière le receveur. S'il avait complété ça, là. Ouais, et Philippe Gauthier était bien positionné. Donc, même si la passe avait été plus près du receveur, je crois que Gauthier était en bonne position pour la rabattre. On voit justement le travail des demi-défensifs du Rouge et Or. Alors, sur le trait assuré, Philippe Gauthier qui va bien réagir. Ça venait rapidement, cette passe-là. Ce qui a eu un temps d'arrêt de demander. 2 minutes 35. À faire, première mi-temps, 1-0. Alors, deux revirements qui ont aidé le Rouge et Or. De part et d'autre, ici, séquence importante. Si les Huskies peuvent aller marquer des points en fin de deuxième quart, rentreront gonflés à bloc, plus confiants. Si le Rouge et Or trouve une façon de les arrêter ici, ce sera le contraire. Ce sera le Rouge et Or qui sortira gagnant du deuxième quart. Pierre, pendant qu'on a une petite seconde, sur les forums de discussion, il y a tellement de choses intéressantes quelquefois. Marie-Claude Savard est allée espionner un petit peu. Il y a un bonhomme qui s'appelle Charlie, qui lui s'est amusé. C'est pas scientifique, mais il a calculé la moyenne d'expérience par joueur, la moyenne de poids des joueurs, de ligne, etc., etc. Et ouf, ça, c'est une statistique impressionnante. 174 contre 36. Je pourrais vous donner les détails du travail de M. Charlie un peu plus tard. Bilan se retrouve seul au champ arrière. Des pas de recul. La protection est très belle. La passe est bonne. Et son receveur de passe, Aaron David, est complètement seul. Et capte le ballon. Premier essai. Ce bonhomme-là, Aaron David, il s'ennuyait pendant l'été. Il ne savait pas quoi faire. Il a décidé d'aller jouer au football en Autriche. Il s'amuse là-bas. Ouais. 5 pieds 6, 160 livres. Alors, David qui est au haut de l'écran. Alors, un tracé qui revient vers le quart arrière. Profite au coussin de la créer de la séparation. On voit que Vendette respecte beaucoup sa rapidité, donc ça lui permet de revenir à l'intérieur de la zone payante là, pour les Huskies. Le quart regarde à sa gauche, la passe est en la zone de début, elle est interceptée! La passe est interceptée, voilà un autre revirement. Le Rouge et Or qui réussit à prendre possession du ballon. Et pendant ce temps-là, Bilan a été frappé. C'est l'une des premières fois du match qu'il est frappé. Ah, quel jeu de Mathieu Proulx! Très bien surveillé son receveur, mais l'ajustement qu'il a fait en cours de route a dû pivoter sur lui-même pour mieux... On voit Marc-André Dion qui arrive avec Robédé. Regarde, on l'a vu à la toute fin. Proulx qui regardait vers les lignes de côté, pivote sur lui-même, s'installe et réussit l'interception. Encore une fois de cet angle. Ah oui, on amène le blitz. C'est Robédé qui se débarrasse de Chris Sutherland. C'est la cuisse, très légal. Oui. C'est à la cuisse hein, qui a été blessé. Il a manqué deux matchs. Interception dans la zone de but. Le Rouge et Or qui reprend possession. Leclerc passe. C'est capté et John va-t-il réussir à se défaire de deux joueurs? Non. C'est quand même un premier essai. Ah oui, ce sera tout près d'un premier essai. Si. Ah oui, on vient de l'indiquer. Alors encore une fois, la passe rapide. La passe écran au receveur espacé pendant qu'on voit l'interception de Mathieu Proulx. Belle réaction, bel ajustement au ballon. Mathieu Proulx, pendant la saison régulière, en a eu une interception. L'entier 4. Hercule 6, Gauthier 2, Vendette 2. Alors, cette ligne tertiaire est vraiment exceptionnelle. De la ligne de 30, Leclerc cherche courte passe. Elle est pour Huerta Flores. Et Huerta Flores se défait d'un joueur dans le deuxième. Et Huerta Flores devait se rendre à la ligne de 41 pour un premier essai. Se rend pas loin. Pas loin. Et là, les indications, on a vu tout de suite en vitesse Leclerc aller voir Justin Étier.
Alors, bonne tactique. On revient avec la passe écran, la passe voilée. On surprend les Huskies en défensive de zone. Donc, ça, c'est excellent. Le jeu prend plus de temps à se développer pendant ce temps-là. Les secondeurs de ligne, tout le monde recule. On crée de la séparation. Donc, des fois, pour avoir une belle passe écran, bien, il faut la faire au bon moment. Cette fois-ci, ça a très bien fonctionné. Ça fonctionne toujours mieux, Pierre, contre une défensive de zone parce qu'il recule dès le début du moment. Oui. Quand c'est une défensive homme à homme, bien, il y a un secondeur qui, lui, est collé avec le porteur de ballon et qui vient faire le plaqué immédiatement. Tantôt, il manquait un nid de ballon. Et là, c'est par un nid que le premier essai est gagné par Huerta Flores. Alors, une interception, deux premiers jeux coup sur coup. Le Rougéor se retrouve à la ligne de 41 dans son territoire. Leclerc, il roule sur sa gauche, cherche un receveur. Et va-t-il courir? Il n'y a vraiment pas le choix. Oh! Il évite ce plaqué-là. Finalement, est-ce qu'il y a un drapeau? Non. Non. Il n'y a pas de gain. Il était à l'extérieur. Appelons ça simplement un plaqué qui s'est poursuivi. 6 verges de gain, pardon. Alors, on essaie de bouger la pochette vers la droite de l'écran. On voit l'ajustement du numéro 39, donc on force le Rougéor à revenir. Il y a de la pénétration qui force Leclerc à repartir, à rebrousser chemin. Et par la suite... Un deuxième essai. Courte passe réussie, un premier jeu dans le territoire des Huskies à la ligne de 54. Des jeux rapides, l'exécution est bonne. Donne des premiers jeux. Et de la confiance. Et beau tracé de passe de Mathieu Charron. Tracé très simple, en ligne droite, mais s'installe dans ce que j'appelle l'entre-zone. Ne continue pas de façon inutile, ne s'approche pas des demi-défensifs. S'installe dans le trou et la passe était précise. On y va sans caucus. Les indications de William Leclerc à ses receveurs de passe, puis à son porteur de ballon. 1 minute à faire. Leclerc, passe qui est ratée. C'était, je pense, pour Lacombe. Et là, il y a eu, ben, un peu comme tantôt, confusion. Ouais. Oui, c'était bien le 86 qui était visé sur le jeu. Marc-André Lacombe, un gars de première année. Oui, Marc-André Lacombe qui avait réussi tout un attrapé contre l'Université McGill plus tôt cette saison. Un autre joueur de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, au football universitaire, il y a énormément de bons joueurs qui évoluent au football universitaire qui sont issus des rangs du collégial 2A. Mm-hmm. On a souvent tendance à parler du 3A. Ah. Mais... Beau, belle protection. Courte passe et c'est intercepté. On juge que non. Le ballon a touché au sol. Oh, c'est venu bien près. 48 secondes. Oh, Chabot a réussi. A presque réussi un vol au sol. Mais il n'y a pas de point. Mais souvenons-nous qu'il n'y a pas longtemps, l'équipe était dans sa zone de but avec une interception. Ah bon, on a bien vu. L'arbitre a pris une très bonne décision. Évidemment, nous, on a le luxe de revoir cette excellente reprise. Mais... Dégagement de Huerta Flores, il le fera de sa ligne de 45. C'est capté à la ligne de 18. Et attention au retour. À la ligne de 30. Un botté de 35 verges. Et les Huskies, avec 39 secondes, se retrouvent à leur ligne de 30. Et Bilan qui s'en va chercher les instructions de son entraîneur-chef, Torres. Alors, l'offensive du Rougéor qui réussit à aller chercher 3 premiers jeux est allé chercher du temps. Donc, on remet le ballon profondément dans la zone des Huskies. Il reste 39 secondes. Donc, c'est le genre de... Je dirais pas une victoire morale, mais l'offensive a fait quand même du bon boulot. Elle a gaspillé des secondes et on refoule les Huskies profondément dans leur zone. Premier essai à la ligne de 30. Qu'est-ce que Bilan va orchestrer? La remise au champ arrière. Le plaqué réussi sur Chad Nonweiler. Alors, le résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici, une présentation de GM. Temps de possession, 18-47 contre 10-25. Ça va un petit peu mieux pour le Rougéor, mais quand même. Bilan, 2 interceptions. Leclerc, pas d'interception. Les revirements, 3, dont le tout dernier, une interception dans la zone de but alors que les Huskies menaçaient. 2 et 5 avec 23 secondes à faire, première mi-temps. Nonweiler, qu'on avait oublié depuis un petit bout de temps, et Nonweiler qui revient avec un premier essai jusqu'à la ligne de 44 ou 45.
les indications du coordonnateur défensif. Alors, on voit les quatre doigts en l'air et couverture numéro 4 profond. Donc, on ne veut pas accorder le long jeu. Et du côté des Huskies, on ne gère pas bien le temps. On va mettre le ballon en jeu. Ça va être le dernier jeu de la demi. On a gaspillé au moins 20 secondes. 20 secondes. Alors, dernier jeu à moins de pénalité de cette première mi-temps. Et on y est allé de façon très conservatrice. On a donné le ballon au centre arrière qui gagne 6 verges, 5 ou 6 verges. Mais tout ce que ça ajoute, c'est à ses statistiques personnelles. Dernier jeu de cette première demi. Le pointage, 1. Un coup d'œil aux statistiques à la mi-temps présentées par General Motors. Ben, ce qui apparaît en caractère, j'allais dire en caractère d'or, non, de couleur jaune, les revirements, 3 pour Laval, ou 3 contre les Huskies. Pierre, c'est ça, je pense, qu'il faut retenir, outre le temps de possession, 9 minutes de plus que l'adversaire. Ce que je retiens aussi, Pierre, c'est que je regarde les statistiques après les deux premiers quarts. Le Rouge et Or a eu seulement 22 jeux offensifs. Les Huskies, 42 jeux offensifs. Oh, donc, c'est presque le double de jeux. Donc, c'est... Oui. Tout de suite, on va aller retrouver Marie-Claude Savard. Je suis en compagnie de Brian Torres, qui est l'entraîneur-chef des Huskies de Saskatchewan. So, you're facing the best defense in the country, but you've been able to get some first downs. No touchdowns, but you've been able to get out there and hold on to the ball. Yeah, we've done a nice job of controlling the football, but what we're going to do is jam one of them into the end zone and then take it from there. So, we dominated, but we don't have a lead, so we got to go out and continue to do the same things we do and hope our defense continues to play the way they are. Thank you very much. Thank you. De retour à Pierre et Pierre. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ouais, effectivement, l'équipe a dominé. Tu venais d'en parler avec les statistiques. 42 jeux contre 22. Ouh! Et puis, pendant ce temps-là, ben, c'est ce qui crée la différence de temps de possession de ballon quand l'unité défensive est là et il reste à souhaiter. C'est vrai qu'en disant ce temps-ci de l'année, t'es en forme. Oui, t'es en forme, mais c'est 20 jeux de plus que la défensive doit absorber l'impact, le contact à chaque jeu. Donc, quand tu parles de ramollir la défensive au quatrième quart, ben, c'est ça va être tout un défi pour le Rouge et Or. Les joueurs sont de retour sur le terrain, du moins ceux des Huskies. Les joueurs du Rouge et Or, ben, vous les voyez, sont en caucus. Et là, sûrement qu'ils ne récitent pas la prière du Rouge et Or, la prière du Boost Club. Si jamais on a le temps, il y a Albert Ladouceur qui m'a apporté le texte qu'il a rédigé lui-même, écrit par Mme Elisabeth Lessard, coordonnatrice au sein du Boost Club. Et je vous avoue que la prière... Elle est spéciale. On pourra y revenir un peu plus tard. D'ailleurs, l'équipe, le Rouge et Or, revient à l'aéroport de Québec 8h30, 20h30 ce soir. Botté, l'envoi de cette deuxième demi. De la ligne de 45, le ballon qui est capté à la ligne de 24. Bisaillon qui remonte en plein centre et Bisaillon qui se rend jusqu'à la ligne de 40. Et quand t'as dit ton « Ah oui », il y avait une ouverture. Ah oui, je le ressens encore. Mais beau travail de l'unité de couverture de Botté de Saskatchewan qui a bien réagi parce qu'on voyait le corridor se développer. L'étau s'est resserré rapidement, mais bon travail de Bisaillon de s'assurer de capter le ballon lorsqu'il était dans les airs. C'est l'attaque du Rouge et Or qui est sur le terrain pour entamer ce troisième quart de la ligne de 40. Donc, pas mauvais comme situation. Et on y va avec une formation parapluie au départ. William Leclerc. Et ce sera le jeu de passe. C'est réussi pour Mathieu Leblanc. Mathieu Leblanc qui gagne un premier jeu. Et oh, en première demi, Pierre, avant de dire que le Rouge et Or a gagné un premier essai, il avait fallu attendre le deuxième quart. Oui. Donc, immédiatement, on fait des changements de
personnel. On voit voir Tafflerès quitte le terrain. Pierre-Luc Yao s'amène dans le caucus. Et on continue avec une formation à 5 receveurs de passe. Loin d'un côté, Lacombe. Passe en plein centre qui est capté. Et c'est un premier jeu pour Jean-François Roméo. On a décelé des failles, semble-t-il. Oui, et ça, ça me rappelle un peu les tracés de passe qu'on utilisait contre les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, des tracés qui s'amènent dans le centre de la défensive, derrière les secondeurs de ligne. Et on profite du fait que le maraudeur joue de façon très profonde. Donc, le maraudeur, le numéro 21, Mike Schaible, est très loin de la ligne d'engagement. Donc, il y a une zone qui est libre, qui est naturellement libre parce qu'il y a de la séparation entre les deux niveaux. Ça a donné 21 verges, ce jeu. Autre passe. Réussi. Oh non! John est parti avant de l'avoir, ouais, le ballon. Ouais, ça, c'est le classique. Et on voit ici John qui se tape sur... Mea culpa. Oui, c'est ma faute. Mais je dis mea culpa parce que je parlais de prière tantôt. Là. Alors, John qui est au haut de l'écran. Encore une fois, regardez, les demi de coin jouent de façon reculée, très profonde. Mm-hmm. Donc, ces zones courtes extérieures-là sont vulnérables. Par contre, comment, la distance sur le terrain, c'est des passes que, pour des gains de 5 verges, ça devient quand même de longs passes. Longues passes. Et c'est dangereux quelquefois aussi pour l'interception. Encore une fois, c'est la passe. Oh! Qui est ratée. Et Leclerc a été frappé durement. On s'amenait avec le blitz. Ça a bien réussi. Et là, on est trop loin pour le rouge et or pour tenter un placement. Il aurait fallu un autre premier jeu. Oh, le numéro 39, Darryl Balzer, qui s'est amené sur le blitz au centre de la ligne à l'attaque. Et est venu frapper durement William Leclerc. Et on revoit le tracé de passe. Regardez, le numéro 39 s'est amené complètement. Là, il y a eu confusion au niveau de la ligne à l'attaque. Et beau jeu défensif de Justin Pawlowski aussi. Berta Flores avec un dégagement. C'est très, très haut. C'est capté à la ligne des buts. Le retour se fait jusqu'à la ligne de 5 ou peut-être 6. Un bâté de 37 verges. On fait une pause. Vous regardez depuis le stade Hyperwin à Hamilton la Coupe Vanier Desjardins sur RDS. C'est 1-0 Saskatchewan, début du troisième quart. Et jusqu'ici, qui pourrait être notre joueur du match, Bell? Monsieur. Il y a Chad Nunwiler des Huskies à l'attaque. Et du côté défensif, son interception, Mathieu Proulx, là. Bon candidat à titre de joueur du match, Bell. Il reviendra à la fin du quatrième quart. L'attaque, on démarre au sol. Alors, course en puissance au centre de la défensive. On est avec Nunwiler qui a quand même conservé une excellente moyenne de 4,8 verges par course lors des deux premiers quarts. Alors, 17 courses pour 81 verges. Brian Torres, en entrevue avec Marie-Claude, il disait « Oui, on a dominé, mais on ne réussit pas à marquer de points. » Ben, le but du jeu, c'est de marquer des points. Oui, ils en ont un. Ils disent « On ne domine pas. » Deuxième essai et 6. Feinte. Off et Nunwiler. Réussit la passe. David qui échappe le ballon, mais qui sort en touche. Et là, là où est sorti le ballon, Pierre, ça va donner un premier jeu. Mais quelle passe de Bilan. Le blitz du Rouge et Or qui s'amène. On crée un surnombre. On ne peut pas bloquer. Pendant, on voit la passe à l'extérieur. Oh. Et puis, beau tracé de passe. Et on joue de chance chez les Huskies. Premier essai. Oui, Philippe Audet qui s'amène, qui vient frapper Bilan. Il était moins une dans son cas. Ballon est à la ligne de 30. Premier essai. Les Huskies qui mènent 1-0. Pierce, le centre arrière, est en mouvement. Il est là pour ouvrir le chemin à Nunwiler. Et Nunwiler trouve sur son chemin Miguel Robédé qui s'amenait en trombe et qui réussit le plaquer. Un gain de 3. Ouais, 2 essais. Et belle réaction d'Éric Maranda, le secondaire intérieur qui a joué avec beaucoup d'agressivité, qui a forcé Nunwiler à revenir vers le centre et qui a permis à Robédé, qui lui a quitté son poste d'ailier défensif du côté court, il a traversé la formation pour lui faire le plaqué, mais Maranda s'est assuré que Nunwiler ne pouvait pas déborder à l'extérieur et a ramené le jeu vers ses coéquipiers. Dans une situation de deuxième essai et 7, Torres va-t-il demander à Bilan d'y aller avec? La passe, la feinte, passe
Oh, ça a été touché! Mathieu Proulx. Proulx qui a réussi à toucher à ce ballon, et fort heureusement pour lui, parce que le receveur de passe avait réussi à s'infiltrer. Il attendait le ballon. Ah oui, était dégagé, était libre le long des lignes de côté. Donc encore une fois, les fameuses feintes de course-passe. Mathieu Proulx qui a bien lu le jeu. Il faut dire qu'en défensive de zone, hein, tous les joueurs regardent le carrière. Donc, le regard du carrière a amené Mathieu Proulx vers cette direction. Il a très bien réagi lorsque le ballon est passé haut de lui. Oui, on a vu hein, Aaron David qui attendait. Il était bien campé. Ouf! Un dégagement qui est capté à la ligne de 50 et c'est Proulx qui réussit à le capter. C'est un court botté de dégagement de 25 verges et il n'y a pas de retour. C'est toujours 1-0. M. Vercheval, en fin d'analyste qu'il est, me disait pendant la pause, ne pas avoir accordé le simple coûte en position sur le terrain quelque chose comme au moins 40 verges. Et là, le rouge et or est au centre du terrain avec Huerta Flores qui gagne 3 verges. Il n'y en a pas d'ouverture hein, sur la première ligne. Impossible pour le porteur de ballon d'y aller d'un long gain. Sa moyenne, c'était quoi? 1,4 après la première demi? Je dirais moins comme ça. Si on se fie aux statistiques qu'on a reçues de la Ligue, point... 1,4. Oui. Il vient de l'améliorer. Oui. Il était à 0,08 après ses 6 premières courses. Et c'est pas arrivé souvent, ça. La protection est bonne, la passe, elle est interceptée directement dans les mains du demi-défensif qui attendait le ballon et il est toujours en course. Il est rendu à la ligne de 50, puis au centre du terrain. Un gros jeu défensif, un revirement qui est réussi par les Huskies. Une passe interceptée aux dépens de William Leclerc. Et le ballon revient à peu près là où il était, mais c'est l'autre équipe qui en a possession. Alors on voit, on amène le blitz du côté de la Saskatchewan, mais il est bien contré, la protection est excellente. On voit la trajectoire du ballon est tout simplement trop haute pour le receveur, et Schobel, c'est un cadeau. Ouais. Le ballon lui tombe dans les mains. Alors on voit la protection était bonne. Et on a vu, il a laissé le ballon partir un peu trop tôt dans son geste. C'est ce qui a fait que le ballon est parti vers le haut. Est-ce que les Huskies pourront en profiter? Nonweiler déborde vers l'extérieur et Nonweiler est arrêté après un gain de au moins 6 verges. Quand il va à l'extérieur comme ça, là, général, depuis le début du match, c'est payant. Bon, là, on tient 4 verges. Celui qui a réussi l'interception, Mike Scheibel, le maraudeur. Et pour Nonweiler, quand même, en série, avant le match aujourd'hui, il y avait une moyenne de 7 verges par course. Wow. Un deuxième essai et plus de 5. On y va au sol. Nonweiler en plein centre et Nonweiler gagne le premier jeu. Il devait se rendre à la ligne de 39 et atteint facilement la ligne de 40. C'est ce qui fonctionnait pour eux au premier quart. Oui. Et présentement, les joueurs de la ligne de la Saskatchewan réussissent à se rendre à ce qu'on appelle le deuxième niveau. Vous allez voir Eric Maranda, numéro 55, on réussit. Le numéro 64 réussit à aller le bloquer. Mmh. Et c'est ce qui fait que le 31, Nonweiler, peut courir derrière le bloc de son garde et revenir à l'intérieur. Donc, on ne protège pas le secondeur présentement. Les joueurs de ligne peuvent aller au deuxième niveau. Allons à la ligne de 40. Premier essai. Les Huskies sont en course. Et là, il y a un blitz qui s'amenait. La passe, elle est interceptée! Une autre interception réussie par le Rouge et Or à la ligne de 40. Et c'est Lantier qui vient réussir le larcin. Oh, quel gros jeu! 4 en saison régulière. Et là, il s'est pointé. Mais au bon moment, il va de soi. Jeff Schumann, le numéro 8, était libéré. Mais quelle réaction de Lantier! Vous l'avez regardé? Le ballon a tardé à arriver. Le 8 était libéré pendant quelques secondes. Mais la feinte de course, le jeu s'est trop développé. Si Bilan n'avait pas fait sa feinte de course, avait repéré le 8 immédiatement, il aurait pu compléter une longue passe. C'est pas facile de courir contre cette équipe-là. On y allait avec Pont-Briand maintenant.
pendant qu'on a du côté défensif, écoutons. Okay. Les gars, je m'en fous, je sais que c'est top, mais à chaque fois, les gars se ramassent un peu comme ça. Le ballon s'en va, puis on le plaque, c'est superbe. OK? Je m'excuse, là, mais il faut créer une nouvelle ligne de ce bord-là. Il faut qu'on fasse des stops ici, là. On commence à ramasser le deuxième et quatre, deuxième et trois, docteur. Hammer ou short? Aucun gain sur le premier jeu, donc 2 et 10 pour William Leclerc. Leclerc est bien protégé, cherche à passer les... Non. C'est raté. C'était pour Ross Bergeron. Et c'est raté. Les joueurs du côté défensif n'ont pas eu le temps de se reposer beaucoup. Ah, ouais. À peine le temps de faire quelques ajustements. On avait vu Glenn Constantin pendant plusieurs secondes qui avait sorti le crayon, le tableau. Dégagement de Huerta Flores. On a mentionné son nom. Il a eu plus de succès comme batteur que comme porteur de ballon aujourd'hui. Voici un bon botté. David Lecarte à sa ligne de 32 et il remonte jusqu'à la ligne de 37. Un botté de 38 verges pour Huerta Flores. C'est toujours 1-0. Vous regardez le match de la Coupe Vanier des Jardins à RDS. De retour au stade Iverwin avec l'attaque de Steve Bilan et des Huskies sur le terrain de la ligne de 37. Stevens qui court bien. On remplace Non-Weiler par Stevens et le résultat est le même. C'est un gain de 9 verges dès le départ. Les jeux réussis par le rouge et or du côté défensif. Alors, les interceptions. C'est ce qui a sauvé l'équipe, tout simplement. On avait créé un échappé aussi plus tôt dans le match. Martin oui. Gagnon sur un plaqué avait fait perdre le ballon à un joueur des Huskies. C'était tout près d'un premier jeu, cette course de Scott Stevens. Il est encore sur le terrain. On lui donne le ballon. Pénalité. Et là, il n'a pas gagné le premier jeu. Oui, je crois qu'on a retenu du côté de la Saskatchewan, Pierre. Il a la le décision. Juge de mêlée a lancé le mouchoir. Normalement, ça indique... C'est fait. Il y a quelque chose de pas catholique qui est arrivé dans les tranchées. Est-ce qu'on recule ou on dit troisième essai? Oui, on recule. Holding on the offense, remain second down. C'est vrai qu'un troisième essai et une verge. La façon dont on court chez les Huskies, en milieu de terrain en plus, on aurait... Je pense pas que ça aurait été une décision difficile de Brian Torres. 2 et 10 et demi. Alors que Constantin y va de ses indications. Aux joueurs sur le terrain. On a bien joué du côté défensif depuis le début de la deuxième demi. On mène très bien. Bilan qui prend plus son temps. Oh, c'est échappé, c'est repris par le rouge et or. Un échappé coûteux. En fait, coûteux. Au niveau de la position sur le terrain, c'est Philippe Audette qui voit le ballon. Et le rouge et or se retrouve pas loin de la zone payante. Lorsqu'on parle d'être au bon moment, à la bonne place, Philippe Audet, à la droite de l'écran, va tomber sur le ballon. On voit que la remise... Et ce qui provoque l'échappée, finalement, c'est Michael Jean-Louis qui est dans le champ arrière. Donc, le porteur de ballon, il pense déjà à éviter le numéro 92 oui. au lieu d'assurer qu'il reçoive bien le ballon du corps. Donc, excellent jeu de Michael Jean-Louis et Philippe Audet, opportun, tombe sur le ballon. Souvent, on veut capitaliser tout de suite. Avec une longue passe. C'est fait pour Dwayne John qui échappe à son tour. A-t-il eu possession du ballon? On dit oui et c'est reprise par les Huskies. Et mais il y a pénalité sur le jeu à la hauteur de la ligne de 13. Attendons voir. On a vu Torres dire on décline. Alors la pénalité est contre le rouge et or. Je crois que c'est obstruction contre le rouge et or. On était déjà en train de bloquer un demi-défensif avant que le ballon soit arrivé. Au receveur. Alors, illégal. Penalty is declined. First down. C'est le temps de Noël bientôt, dans moins d'un mois. Alors, les cadeaux viennent vite.
Alors, le bloc illégal qui est au haut de l'écran. Et on voit Dwayne John, la passe. Il veut éviter. Le 19, Rick là. Rick Vandermeele. Oui. On irait ça. Profondément dans leur territoire. Et là, bonne réaction du côté défensif. On a vu trois joueurs là, conjuguer leurs efforts pour stopper la course de Stevens. Et ce qui est difficile sur ce jeu de course à l'extérieur, c'est qu'on remet le ballon profondément dans le champ arrière et par la suite, le porteur de ballon peut regarder. Et là, à la dernière seconde, il voit et décide dans quel corridor il va attaquer. Donc, il n'y a pas un corridor en particulier qu'il doit attaquer. Il regarde le déploiement défensif et repère la brèche qui n'est pas bouchée. 2-6 pour les Huskies. On a Mathieu Proulx qui s'en vient en position de... Oh, la passe est interceptée encore une fois! Une autre interception! Et est-ce que c'est Gauthier? Oui! Autour de Philippe Gauthier. Alors là, qui veut le ballon? Et Gauthier, tout un jeu, parce que je crois qu'il lui a carrément arraché des mains. Le receveur de passe était bien positionné, lui aussi. À se demander si la blessure à Steve Bilan l'empêche de vraiment décocher des passes avec beaucoup d'autorité. Et regardez. Il l'a arraché. Il l'a tout simplement arraché de... Candles, pas un petit bonhomme. Là, tu le disais tantôt, 6 pieds 3, 225. Alors là, à la ligne de 30, exactement au même endroit où ils se sont retrouvés après l'échappée recouvrée par Odette. Huerta Flores s'est défait d'un premier joueur. Et là, ça se bouscule. Ah oui. Un gain de 4. On ne peut pas dire qu'il y a un manque d'intensité pendant ce match. Il y a un manque de points pour l'instant, mais l'intensité est au rendez-vous, croyez-moi. Autant chez les joueurs de la ligne tertiaire, des receveurs de passe, les gars se frappent. Un gain de 3, 2 et 7. Jeu de tirer, M. Vercheval. Passe voilée ou je ne sais pas. Il faut que le rouge et or s'approche à peu près diverge pour avoir une bonne tentative de placement. Bonne protection, la passe en plein centre, il est capté à la ligne de 10. Premier jeu, c'est même à l'intérieur de la ligne de 10. Un superbe attrapé, encore une fois, c'est Roméo. Et encore une fois, on revient avec le tracé en ligne droite, à peu près 15 verges, et on bifurque 90 degrés vers le centre du terrain. Et on profite, on voit même plus le numéro 21 dans l'écran. C'est pour vous dire combien de terrain il accorde. Donc, il y a une grosse zone qui n'est pas libérée. Et encore une fois, on réussit à l'attaquer. Et Roméo savait qu'il allait payer le prix. Hein, a dû sauter pour capter le ballon. À l'intérieur de la ligne de 10. Premier, les buts. Huerta Flores jusqu'à la ligne de... Entre le 5 et le 4. Trois verges de gain. Le Rouge et Or tire de l'arrière. 1-0. Troisième quart. Il reste 3-33. Alors, on amène... Ça fait loin pour aller donner les indications là, d'un bout à l'autre du terrain. J'essaie de repérer, c'est 86. Lacombe. Oui. Marc-André Lacombe qui s'en va très loin d'un côté. Même chose pour Mathieu Leblanc, Dwayne John et Roméo. La passe, oh, s'est échappée. C'est une passe dommage. Oui. Passe vers l'avant, donc. Oui. Donc, c'est une passe incomplète, même si les Huskies... Mais la passe à l'appel, c'est un touché. La tactique était parfaite. L'exécution a manqué. Oui. Voyons voir de quelle façon... Alors, Mathieu Charron, 82, qui s'amène. Et regardez. Ah, il y avait le ballon. Personne. Il n'y a absolument personne. Oui. Alors, tentative de placement. Avec Mathieu Leblanc. Ballon qui passe entre les poteaux et le rouge et or prend les devants. 3-1. Alors finalement, une équipe qui profite d'un revirement. L'interception de Philippe Gauthier qui amène le rouge et or profondément dans la zone. On va chercher 3 points. C'est tout dans les circonstances, c'est 3 points, ça commence à être beaucoup. Ben, c'est 3 fois plus que l'autre équipe. Oui, oui, oui. Pour l'instant. Ah, boy. Alors, ce sera la reprise. Tiens, enfin arrivé à la Coupe Vanier, nous y sommes aujourd'hui. Cette course, donc, on vous présente
grâce à Budweiser depuis le début de la saison. Rappelons encore une fois que l'équipe au 6 novembre qui a terminé en tête au classement canadien, les Carabins de l'Université de Montréal, les Golden Hawks vaincus par le Rouge et Or la semaine dernière étaient au deuxième rang et les Huskies sixième. Et on avait pendant longtemps durant la saison Concordia qui était là parmi les 10 premiers. Et encore une fois, bravo aux deux joueurs de Concordia. Le meilleur joueur défensif, le trophée des présidents remis à Mickey Donovan des Stingers. Et le trophée J.P. Mattress, le meilleur joueur de ligne. Il le mérite, Pierre. C'est tout un joueur de football, Troy Cunningham. Et la recrue de l'année, le trophée Peter Gorman, Kyle Williams des Gators de Bishop, de Tony Adouna. Ce sont des joueurs de football. Trois trophées sur quatre ont été gagnés par des membres d'équipes québécoises. Et ça, il faut le mentionner. Parlant de gagnants, on a eu durant toute la saison le concours Voyage mille et une nuits Nolitour, un voyage en toute liberté au Nicaragua. Et c'est M. Jean-François Paquette qui gagne ses billets d'avion, qui va se retrouver le chanceux au Nicaragua. Alors, vous pouvez... En fait, les gens de Voyage mille et une nuits et de Nolitour vont communiquer avec vous si ce n'est déjà fait. Alors, bravo! Vous avez répondu à la question qui était tellement difficile. Mathieu Bertrand était le quart arrière de l'équipe qui a gagné la Coupe Vanier l'an passé. De retour au jeu. Et là, on a prévu la manœuvre. Nonweiler, sur ce jeu, en première demi, gagnait à peu près 7 ou 8 verges. Oh, et quel jeu d'Éric Maranda! C'est tellement important pour un secondeur de ligne. Bien, tous les joueurs défensifs, mais les secondeurs de ligne, hein, la lecture du jeu. C'était sans équivoque. Le 55 du Rouge et Or a vu le mouvement du corps. Il était déjà rendu à la ligne d'engagement, bat le bloc du centre et vient bousiller la tactique de la Saskatchewan. On a vu la fiche de bilan, hein? 9 en 22. Alors, deuxième essai et 8. Bilan qui recule, cherche un receveur, le trouve, mais le receveur, le centre arrière, a gagné peut-être une verge, j'en prenais comme pas mal plus. Jeff Piercy est plaqué immédiatement, on devra dégager. On est très bien prêt contre cette tactique. Lorsqu'on envoie quatre receveurs du côté large du terrain, on voit le Rougeard qui déplace beaucoup de ressources défensives, vient s'ajuster, et on ne s'est pas fait prendre par cette tactique depuis le début du match. Brian Torres a vu les siens mener jusqu'au troisième quart, 1-0. Et là, c'est maintenant 3-1. Le dégagement. Lors du dernier dégagement, il y avait eu une mauvaise remise. Cette fois, Brad Olin capte bien le ballon. Oh, c'est un très court botté de dégagement qui bondit, par contre. On n'a jamais donné... On n'a même pas donné 5 pouces. Non. Mais décision sage de Bisaillon. N'était pas sûr, là, sur le premier bond, n'était pas assuré de capter le ballon. Il y a pénalité, là, t'as vu... Mathieu Proulx qui, il faut être discipliné, qui est puni sur le jeu? On a vu le numéro 32 être saisi. Bien, si je me fie à la réaction de Mathieu Proulx, c'est le 32 du Rouge et Or, Sébastien Sejean qui va se faire prendre en défaut pour soit une rudesse ou une conduite antisportive. Non. Ah, oui, les deux. Ouais. Donc, il y avait, on n'avait pas accordé l'immunité d'un côté, mais le Rouge et Or se fait prendre pour une rudesse, conduite antisportive. Discussion entre les capitaines et les officiels. No yards on the kicking team. Objectionable conduct on the receiving team. 5-yard difference. First down. Ça coûte 5 verges. Une punition de 10 verges. Mais t'as vu ce que Proulx a fait, hein? Ah oui, il vient tant. Le Rouge et Or à l'attaque. 1 minute 28 secondes à faire. Au troisième quart. Qui recule. Bonne protection. La passe, elle est captée. Oh, quel attrapé au centre du terrain. Mathieu Leblanc qui est venu chercher ce ballon-là. Premier essai. C'est un gain de 18 verges. Les Huskies qui changent leur tactique défensive. On a une structure maintenant avec trois joueurs de ligne défensive, trois secondeurs. Et on utilise 6 demi-défensifs. Malgré tout, Mathieu Leblanc qui trouve l'entre-zone. La passe est bien décochée. Ryan Barnstable qui a réussi de plaquer. Et là, Huerta Flores. Oh,
à un joueur près de réussir les courses que l'on connaît. Non, mais ce qu'on remarque présentement, c'est qu'au moins pour l'instant, depuis le début de la deuxième demi, la ligne à l'attaque réussit à amener Flores à la ligne d'engagement. Oui. Par la suite, c'est le travail à Flores d'éviter un plaqué et d'aller chercher des verges. En début de match, la ligne à l'attaque n'arrivait même pas à l'amener à la ligne d'engagement. C'était le front défensif de la Saskatchewan qui s'amenait dans le champ arrière du Rouge et Or. Là-dessus, il a augmenté sa moyenne à 2.1. Leclerc qui recule, cherche un receveur. Ils sont tous couverts et Leclerc qui décide de porter le ballon court bien. Hop, et se rend jusqu'à la ligne de 42 avec un premier essai, un gain de 10 verges pour William Leclerc qui prend les choses en main. Oh, il y a un joueur du Rouge et Or qui est resté au sol, mais il y a eu un beau bloc de Pierre-Luc Yao qui a permis à Leclerc de déborder, de contourner la défensive. C'est pas lui qui est au sol? Oh, parce qu'il a bloqué son joueur. Par la suite, a-t-il essayé d'aller en bloquer un deuxième? Oh, il l'a bloqué bas. Oui, il est venu en bloquer un deuxième, mais est-ce qu'il a frappé avec sa tête ou l'épaule qui a subi le choc? On voit ici les physiothérapeutes qui regardent à la hauteur du cou. Ça, c'était toute une révélation, ça, Pierre-Luc Yao, l'an dernier. 16 touchés en 12 matchs pendant la saison. Et cette année, il a porté le ballon 68 fois pour 400 verges, 399 et 3 touchés. Ouais. Ah, il fait partie de ce qu'on aime appeler les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires. Flores, Bisaillon. Bisaillon qui a très bien fait cette saison aussi. Un peu le spécialiste des courses à l'extérieur, Bisaillon. Il est très rapide. Et Dieu sait qu'il est bon comme spécialiste de retour de beauté également. Avec Dwayne John. Bisaillon réussit à maintenir une moyenne supérieure à 6 ou 7 verges sur les retours de beauté de dégagement. Donc c'est un bonhomme qui fait un tas de choses et il fait bien. 19 secondes à faire. Bon, plus de peur que de mal. Ça semblait très douloureux. Et là, ben, Pierre-Luc Yao qui retourne au banc. Ce que ça peut faire, hein? Quelques jeux où l'intensité d'une équipe... Tu parles souvent du langage corporel. Regarde les joueurs du côté du Rouge et Or, là. Ils sont tous là. Oh. Intenses. De la ligne de 41 avec un premier essai. Huerta Flores. Huerta Flores qui... la bataille des tranchées, là. Chaque pouce gagné est mérité. Ouais, c'est difficile. On essaie de décrocher Jean-François Stigui, le bloqueur du côté gauche, et on l'amène vers la droite. Le problème, c'est qu'il y a eu de la pénétration. Donc, Stigui a dû encore plus reculer pour essayer de faire son bloc. Donc, le synchronisme a été complètement bousillé. Et ça fait que Flores a attaqué la brèche. Il y avait un bloqueur en moins dans le trou. Alors, ça donne un gain d'une verge. 2-9. Leclerc qui recule. Oh, la pression est forte. Leclerc se défait de 3 joueurs et finalement, il est solide comme tout. Une belle démonstration de savoir-faire, mais il n'y a pas de gain. Il y a même une perte là-dessus de 2 verges. Dommage pour le Rouge et Or parce qu'un premier jeu de plus, tu avais une possibilité de tenter un autre placement. Troisième quart qui se termine, 3-1. Laval qui mène. Bon, regardez la Coupe Vanier des Jardins à RDS. Alors, un coup d'œil aux statistiques après le troisième quart présenté par GM. 244 verges d'attaque contre 167, 116 par la passe contre 51 par la course. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit en général chez le Rouge et Or. 6 revirements. Je pense que le joueur du match, ça va être, si jamais Laval gagne, la tertiaire. Oui, ça sera pas un mauvais choix. Ou carrément toute la défensive. Oui. Monsieur Huerta Flores, qui s'exécute pour le dégagement. Aaron David est campé à sa ligne de 10. Ballon qui va bondir. Il faut reculer. Oh. Ah, 4 joueurs sont là pour le plaquer. Alors, un botté de 31 verges. Et il n'y a pas de retour, sinon une verge de plongeon. Pendant que Bilan qui reçoit les instructions de Schneider, Brent, celui-là, et de Brian Torres. S'en vient sur le terrain.
belle discipline du Rouge et Or sur ce botté. On a vu tout le monde, on a vu le ballon est tombé au sol. Tout le monde s'est réajusté. On a donné le rayon de 5 verges, le rayon protecteur, et on vient faire le plaqué immédiatement par la suite. Le porte-bonheur de l'équipe, M. Huerta Flores, n'a jamais vu le Rouge et Or perdre, hein, quand il est là. Exact. Bilan, profondément dans son territoire. On a remis directement aux joueurs de champ. Le centre arrière. Le centre arrière, Jeff Piercy. Alors, ce que j'aime appeler la percée. Oui. La course en ligne droite. Donc, le carrière qui se déplace du côté droit, remet au centre arrière. C'est une remise directe. C'est un jeu qui s'exécute rapidement. Donc, les bloqueurs de ligne à l'attaque n'ont pas besoin de soutenir le bloc pendant plusieurs secondes. Mm-hmm. Le jeu arrive tellement vite que le porteur de ballon a déjà passé la ligne d'engagement. Ça facilite le travail de la ligne. On a vu les joueurs défensifs sur le terrain indiquer à la foule, allez, allez hurler. Faites comme si vous étiez 18 000 au Pepsi. 2 et 5. Bilan, il va d'une longue passe qui est... Oh! Oh! Quel plongeon spectaculaire de Jeff Seaman. La passe était belle. Un cheveu près. Ah oui. Oh, il y a un bon bras, Bilan. Et on avait réussi là à influencer le rougeur avec les feintes de course. Et par la suite, on voit Bilan qui lance à son receveur un tracé en ligne droite. Il a touché au ballon. Revoyons sur cette séquence, cette reprise. Ouais. Alors on voit là qu'il a attaqué l'entre-zone entre le maraudeur Hivercule et Jean-Philippe Lantier. Randolin, c'est 3-1. Pas question de donner un toucher de sûreté. Le dégagement, bien fait. Bisaillon le prend sa ligne de 50. Oh, jongle avec le ballon longtemps. Et là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour lui. Il est refoulé jusqu'à sa ligne de 43. Le temps qu'il jongle avec le ballon lui a coûté probablement un beau retour. 47 verges le dégagement. Laval mène. Nous sommes au quatrième quart. Il reste 13 minutes, 9 secondes. C'est l'attaque du Rouge et Or. Huerta Flores qui se bute à 3 ou 4 joueurs des Huskies. Pierre, on en parlait tantôt. Le Rouge et Or, c'est 2 victoires à la Coupe Vanier. Pointage très, très bas. 14-10. Et on avait indiqué 14-7. Donc, le Rouge et Or, en marquant 14 points à la Coupe Vanier, l'a gagné 2 fois. Oui. Et là, ils en ont 3. Un deuxième essai et 9. La passe à l'appel. Oh, le jeu qui est bien réussi, qui donne un premier essai. C'est le même jeu qui a failli réussir pour le toucher. Et là, on gagne un premier essai. Cette fois-ci, l'exécution est excellente et ça donne un premier jeu. Mathieu Charron. Donc Charron qui était à la gauche de William Leclerc s'amène en mouvement. Alors c'est une autre façon de jouer un peu l'option. On joue l'option sur le joueur, sur l'ailier défensif. On va inviter les joueurs défensifs au coin de la ligne. On ne les bloquera pas. Regardez. Et là, on fait l'option sur le 65. Il décide d'aller vers William Leclerc. William Leclerc remet le ballon à Charron. Oh, Leclerc, il va d'une passe qui est captée. Et là, Roméo était seul. Il a opté pour un autre receveur. C'est réussi, alors c'est un premier jeu. Mais là, hein, Roméo était complètement seul le long des numéros. Mais là, on juge qu'il y a un receveur inéligible du côté du rougeur. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un joueur de ligne qui était trop profondément dans la défensive avant que la passe soit décochée. Et là, c'est dommage parce que ça coûte 20 verges. Oui. Au lieu d'aller chercher 10 verges, on recule de 10. Donc, il y a un échange de 20 verges qui s'effectue. Alors, mais quelle belle feinte de course. On avait surpris les Huskies avec la feinte de course à Flores et la dérobade du corps. Charles d'un côté, Roméo de l'autre sont des demi-insérés. Il y a également Huerta Flores qui cherche une ouverture, en trouve une vers l'extérieur.
Et Huerta Flores qui revient. Il a gagné les diverges perdues par la pénalité. Oui. Mais là, un gain de diverges au sol, il n'y en a pas eu beaucoup. Ben, c'est sa meilleure course de la journée. Oui. Mais a profité d'excellents blocs de Jean-François Stigui, le numéro 63. Pierre-Luc Yao qui est au coin de la ligne, vous avez à la gauche de l'écran. Et quel bloc aussi de Mathieu Charron, le receveur de passe, qui fait tout un bloc sur le demi-défensif. Vous allez voir le 82. Oh oui. Et ça lui a permis d'aller chercher diverges. 2 et 10. Ouf, il y a un blitz qui s'en vient, mais c'est... Oh! Et attention, il est fin seul! Leblanc! Est-ce que Leblanc va pouvoir se rendre jusqu'au bout? Non, il est arrêté! Oh, mais quelle belle exécution! Oh! Et on a surpris tout le monde! 31 verges de gain pour Mathieu Leblanc! Un jeu superbe! On vend encore une fois la passe à l'appel, mais on revient à contre-courant avec Mathieu Leblanc. Donc, regardez, Charron, la passe à l'appel, mais on remet à Mathieu Leblanc pour le jeu renversé. Les Huskies se font prendre. On ne réussit pas à contenir Leblanc et ça donne un long gain. Oh, quel beau jeu! C'est venu bien près de réussir jusqu'au bout. Et ça, c'est toujours ce qui est intéressant avec le football. Il y a toujours une deuxième composante à tout jeu. Pourquoi est-ce qu'on fait un jeu? Bon, on veut profiter de certains déséquilibres. On pense qu'un joueur de ligne est plus fort que le joueur en avant de lui. On profite pour attaquer. Mais là, ça faisait quelques fois qu'on montrait la passe à l'appel. On sait que Saskatchewan l'a vu, va s'ajuster. Et on profite de l'agressivité des Huskies pour revenir avec le jeu renversé. Donc, on avait mis la table. Ah. Et c'est un beau buffet qui était là, ce coup-ci. et le dessert là-dedans, c'est Van de Miel qui... C'est lui qui réussit de plaquer Gare. Il est au sol. Sinon... Et Leblanc se rend jusqu'au bout, il a été blessé. La combe a fait tout un jeu et je regardais les receveurs. Hein. On restait disciplinés, on ne voulait pas se faire prendre pour avoir retenu, donc. Et là, le rouge et or qui menace. Tout près de la zone payante. Feinte. Leclerc évite un joueur, un deuxième. Cherche toujours. Finalement, il décide de porter lui-même le ballon. Et c'est un gain de 6 verges. Il est devenu depuis peut-être les deux derniers matchs un bonhomme qui se plaît à courir. T'as pas l'impression qu'il est rapide, mais hey, quelle efficacité! Mais une belle protection aussi. Beau bloc de Huerta Flores. En passant, un excellent bloc qu'on vient faucher à la hauteur des chevilles. Et par la suite, il fait son travail. Protège le ballon. Il va chercher quand même tout près de 6 verges. Oui. Alors 2 et 4 dans le territoire ennemi. Trois pas de recul. Passe dans la zone de but. Elle est pour Dwayne John. Elle est tombée dans le dos du gars qu'il couvrait. Alors, appelons ça un bon jeu défensif de Brett Lambden. Ouais. Ah oui, ouais, bon jeu. Il n'a pas mordu à la première feinte. On a vu William Leclerc qui fait une feinte. On dit en termes de football, il a pompé son bras dans le sens qu'il fait une feinte pour le tracé court. Veut geler le demi de coin. Dwayne John repart profondément. Et on a vu le demi-coin qui a très bien joué, qui s'est retourné au bon moment. Tentative de placement de la ligne de 24. Et c'est raté. Ça donne un point. 4-1. 4-1. Mathieu Leblanc, la semaine dernière, dans un rôle qu'il n'avait jamais exécuté, avait été parfait. Aujourd'hui, 1-2. 4-1 Laval. Vous regardez la Coupe Vanier Desjardins à RDS. M. Vercheval, vous allez en voir des ballons aujourd'hui. Puis demain, programme double, San Diego, Kansas City, Baltimore, Nouvelle-Angleterre. Vous serez avec M. Casavin et M. Mayotte. Oui. Alors demain, programme double, NFL. Présenté par Budweiser. La feinte. Oh! Il est frappé! Le ballon est récupéré par le rouge et or. On vient de juger que c'est une passe incomplète. Mais voyons donc, il n'a pas lancé le ballon. Il n'a jamais levé le bras. Et je te dirais ça, pourquoi le ballon est-il parti vers l'arrière si c'est une passe incomplète? C'est une passe incomplète. Alors, le blitz du demi-défensif. Faut voir haut de l'écran, regardez, vous allez voir au haut de l'écran, il y a un blitz demi-défensif qui s'amène. Steve Bilen ne le voit pas, il a le dos tourné. Est-ce que c'est Philippe Gauthier? Oui. Et
Non, moi, je pense pas que son bras était parti vers l'avant. Il était encore... Ouais. Et le ballon est parti vers l'arrière. Moi, je me fie toujours au ballon. Alors, 2 et 10. Bilan. Encore une fois, il va d'une longue passe, mais le jeu est arrêté. Le jeu est arrêté. Alors, est-ce qu'on a mis trop de temps pour mettre le ballon en jeu du côté des Huskies? Je crois que oui. Ça va coûter 5 verges, jouer trop de temps. L'arbitre. Faut être fait fort, faut être fait solide. Et je le dis souvent, hein, les... Alors qu'on voit le monsieur l'arbitre, les coups qu'on ne voit pas venir sont les sont ceux qui font le plus mal. Et ça, dans le dos. Et là, tu te fais mal deux fois. Tu te fais mal lorsque tu te fais frapper et tu te fais mal quand tu tombes au sol. Et certains quand tu te relèves. Et si le joueur défensif tombe sur toi, bien là, c'est le troisième fois. Un triplé. 2 et 15 de leur ligne de 30. Et là, les partisans du Rouge et Or qui manifestent avec leur bâton tapageur et la voix. Feinte, Bilan, il va d'une longue passe qui est rabattue par Yves Hercule. Quel beau jeu! Ce bonhomme-là est toujours au bon endroit. Il n'a pas essayé l'interception, mais s'est assuré de rabattre le ballon. A très bien joué. Est arrivé de la bonne façon aussi avec le bras droit. Donc, ça lui donne plus de distance. Avec sa main gauche, va toucher au joueur. Vous allez voir le numéro 17, Yves Hercule, qui est au centre de l'écran. Vous allez voir sa réaction. Patrouille le chansant, voit que le carrière s'en va vers sa gauche, donc comme un miroir le suit. Mm-hmm. Et regardez. Attends au bon moment. Ah, quel bon synchronisme. A jamais touché au receveur, donc aucune pénalité possible. Le dégagement. Court. Bondi dans les mains de Bisaillon qui est arrêté à la ligne de 48. C'est un botté de 34 verges, 2 verges de retour. Vous regardez depuis Riverwind Stadium à Hamilton. La Coupe Vanier des Jardins à RDS. Bon, Pierre, devinez, mesdames, messieurs, de quoi on parlait pendant la pause. Était-ce un échappé ou était-ce une passe incomplète? Dans la tête de Bilan, c'est officiel. Et dans la tête de l'officiel, c'était ça. Passe incomplète. Mais pas dans ma tête. Non. Pas avec la reprise qu'on a vue. Huerta Flores, un deuxième effort, un troisième, mais... On ne l'a pas laissé filer. Oui. Il y a le numéro 22, Morley Miller, qui a dit « T'as gagné une verge, mais pas plus. » Solide. Mais au moins, Flores a vu le maraudeur Mike Schaible s'amener parce qu'il a... Souvent, on dit ça à la défensive. Hein? Le premier arrive, vient faire le plaqué. Tous les autres joueurs, vous arrivez pour venir faire perdre le ballon, créer l'échappée. Donc, on voit bon contact. Miller qui vient finir le plaqué. Regardez le 21 qui s'en est pour essayer de lui faire perdre. Le ballon est à la ligne de 50. 2 et 9. Le Rouge et Or est à l'attaque. Oh, William Leclerc est pressé. Et là, il est rabattu exactement la ligne d'engagement. Et là, ça pouvait être dangereux. Marco Melchiorre qui le pourchassait. Ça aurait pu être dangereux pour un échappé. Ah, tout à fait, parce qu'elle a été frappée durement dans le dos entre les deux omoplates. Elle a su conserver le ballon. Pierre, Huerta Flores sent bien sur le terrain pour le dégagement. Son 11e. 11 dégagements. Melchiorre, c'est Melchiorre Balthazar avec la petite barbe. Revenons au football. Gardons les autres considérations pour plus tard. Deux joueurs pour recevoir le dégagement de Huerta Flores. À la ligne de 27. Et attention au retour. Pénalité sur le jeu à la ligne de 30. Le spécialiste des retours, Leighton Aaron, l'a ramené sur 3 verges. Un botté de 33 qu'on a retenu. On a retenu contre les Huskies. Donc, les Huskies, contrairement à la semaine dernière, là, j'ai pas les chefs d'attaque, mais on a été souvent pénalisés aujourd'hui. Let's go, les boys. Joueur de quart, William Leclerc. On est à sa deuxième saison. Oui. Il en reste 3. Et l'attaque, avec 7 minutes 10 secondes, l'attaque des Huskies entreprend cette série dans son territoire, profondément, à l'intérieur de sa ligne de 20. Bilan a été intercepté fréquemment.
Oh! Et là, il est rabattu. On a complètement laissé filer Marc-André Dion, ce qu'il ne faut pas faire. Un joueur membre de la première équipe d'étoiles au Canada. Et là, le pauvre Bilan n'a même pas eu le temps de s'installer, que Dion était déjà devant lui. Dion qui a tout simplement battu le cadre 59. Michael Luce. Alors, Dion qui deuxième à partir de la droite. Et oh, la belle technique. Pourtant, il y avait le numéro 59. Et on a vu le 59 a joué de façon agressive et Dion a profité de ça. A dit, oui, tu veux m'attaquer? OK. Un pas de côté, accélère, s'installe derrière le 59 et fait un beau plaqué sur Bilan. Lourde perte sur le terrain. Et là, Bilan, un deuxième essai et 16 verges. Il est à la ligne de 12. Il demande un temps d'arrêt. Et il a été long à venir, le temps d'arrêt. Il n'aimait pas ce qu'il voyait, mais pas du tout. Alors, il va aller causer stratégie avec Brian Torres. Il a toujours ses verres fumées. Et regarde Bilan, la façon dont il court. Même en joguant, il a pas l'air confortable. Hein? Je ne suis pas surpris qu'après le match, on apprenne là, qu'il... Puis en plus, il a été frappé au quatrième quart, là, deux fois. Et les blessures à l'abdomen, bien, pour tous les joueurs de football, toute ta force là, part de là. Ce qu'on appelle le corps, là, le tronc. Donc, à chaque fois que tu dois décocher une passe, toute la rapidité commence par les hanches. Après ça, ça se transfère dans les épaules, dans le bras, etc. Là, vous entendez les indications de Pierre. Ah, moi, je le vois, là. Les torsions, ah, oui, c'est les encore... contorsions. Je te dirais, Pierre, il y a encore beaucoup de beaux défis dans la description du football. Oh, et puisque tu parles de description, j'en profite pour remercier David Arsenault qui a accompli un travail mais vraiment magnifique, ben, autant au niveau professionnel qu'au niveau universitaire, ouais. Avec ta description, ah, oui. Avec toi. Merci également à tous les réalisateurs qui ont travaillé sur cette série de football universitaire qui, je pense, vous avez été nombreux. Et il reste encore quand même 6 minutes, très nombreux. Alors merci à tous ces gens-là. Bilan, ouf! La passe, il n'y a jamais eu le temps de lancer le ballon. Il avait déjà sur le dos un joueur qui était là. Était-ce... C'est Michael Jean-Louis, donc l'autre plaqueur défensif du Rouge et Or qui s'illustre. Donc la protection qui fait défaut. Le 92 qui travaille contre la garde du côté droit. Il l'a tout simplement battu en puissance, a attaqué au centre. Et ça, c'est la ligne la plus rapide au quart. Mm-hmm. Tu attaques le garde et... En termes de football, le garde a ouvert la porte bien grande et Michael Jean-Louis en a profité, a accéléré. C'est un autre sac du corps. C'était pas un sac du corps, mais a forcé la passe incomplète. Et ça force un dégagement, Brad Holden, là. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas donner un point de plus. Oui! Alors, on concède. Parce que 4, je trouve ça un petit peu bizarre. Ben, évidemment, il y a question de position sur le terrain. Oui. On dit qu'on a encore beaucoup de temps, mais ils ont marqué un point jusqu'ici. Alors, s'il y en avait 3, ça leur permettait d'égaler. Alors, on décide de jouer le jeu du positionnement sur le terrain. On va accorder 2 points. Mmh. Donc, le Rougeur qui mène par 5. La Saskatchewan doit absolument marquer un toucher maintenant. Oui. Et ça, c'est une denrée rare contre le Rouge et Or. C'est le genre de décision, évidemment. En fin de match, on pourra dire si c'était la bonne ou la mauvaise. Toute stratégie est discutable et... Tous les entraîneurs ont des choix à faire pendant un match. Et là, c'est 6-1. Mais vous le comptez avec nous, là. Un placement de 3 points, il va t'en manquer 2. Et il reste 5 minutes 50. C'est un sourire qu'a esquissé Glenn Constantin. On est prêt, on est prêt à embarquer là-dedans! En conversation avec... ses adjoints. Oui, Pépé Esposito. Il connaît ça, la Coupe Vanier, lui. Il l'a gagné comme joueur. Et comme entraîneur. Et comme entraîneur. Le côté haut. Très haut, c'était à la ligne de 30. On retourne jusqu'à la ligne de 37. Les indications de Justin Étier. William Leclerc qui s'est ressaisi en deuxième demi. On
a eu l'attaque du Rouge et Or qui a réussi à provoquer des choses et à permettre à l'unité défensive de respirer un petit peu plus. Bien, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a dû lancer, il a dû compléter des passes. Mm-hmm. Parfois, c'était difficile. Parfois, il a réussi. Comme tu l'as mentionné, il a réussi à faire avancer les chaînes. 10-23. Une interception. J'allais dire seulement, si tu compares à Bilan. Huerta Flores. Ça, c'est la même situation depuis qu'on a commencé le match. Si on a deux verges de gain, c'est beaucoup. Ah, c'est... Il faut donner crédit au fond défensif de la Saskatchewan qui n'a pas, bien, qui n'abandonne pas parce que le match, il faut le dire, n'est pas terminé. Loin de là. 5 minutes 10 secondes au football canadien, monsieur, c'est une éternité. La guerre des tranchées. 2,5 de moyenne pour Jerónimo Huerta Flores. Il est encore là. Courte passe, réussie. Non! Ça a été échappé. Dommage parce que c'était suffisant pour un premier essai. Chabot. C'est Mathieu Leblanc. Oui. Il en a capté la semaine dernière une de 51 verges pour un toucher et en a réussi toute une pour... Alors on voit, il y avait... couru un bon tracé de passe le long des lignes de côté. C'était suffisant pour le premier jeu. Donc, c'était installé au bon endroit. Bon endroit. La concentration de fraction de seconde. Tu lèves tes yeux. Un 12e botté de dégagement pour Huerta Flores. Qui, celui-là est beaucoup plus court. Il n'y a pas de pénalité. Aaron David a réussi à sortir de là. Un botté de 34 verges. Et un retour de... deux, peut-être trois. Il reste 4 minutes et demie. 4:34, pardon. Les plans de match. Ce dont Pierre nous a parlé en début de rencontre, présenté par Desjardins, qu'est-ce qu'on devait faire chez les Huskies? On sait que Steve Villain joue en dépit d'une blessure à l'abdomen, donc il fallait le protéger. Dernièrement, on l'a fait, mais dernièrement, on n'a plus de mais on l'a bien protégé en utilisant l'attaque au sol aussi. Ça, c'est la meilleure protection. Oui. Forcer Laval à passer, on a réussi. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est un match serré. Côté de Laval, il fallait établir l'attaque au sol. On ne l'a pas fait. Il fallait égaler la robustesse des Huskies. Je te dirais qu'en début de match, on ne l'a pas fait. Mm-hmm. Mais depuis le deuxième quart, on a monté l'intensité. Et on s'est dit, garde, ça va être une bataille. Je ne dirais pas une bataille de ruelle, mais il va falloir retrousser nos manches et travailler fort. On l'a fait du côté du Rouge et Or. On n'abandonne pas. Parce que je te dirais qu'après le premier quart, je regardais, tu sais, quand... Tu regardes la façon dont les joueurs se relèvent après un plaqué ou après un jeu. Ça en disait long. Mais depuis le deuxième quart, le Rouge et Or qui a répondu à l'appel. Et là, si tu regardes, Pierre, le banc des joueurs, il n'y a personne sur le banc, de toute façon. Il n'y a personne qui s'assoit ou à peu près. Mais tous les joueurs du Rouge et Or sont debout. Et tu en as beaucoup, beaucoup. Un genou au sol chez les Huskies. On marque, ça veut peut-être rien dire, mais tiens, voilà. Tous les joueurs sont là, debout, près de la ligne. Et évidemment, avec le tatou 67, de Dominique Picard. Dominique qui était avec Marie-Claude Savard un peu plus tôt. Il aide les siens par sa présence. Quelle belle lutte entre Constantin et Torres. Entraîneur de l'année en 1994 au Canada, Brian Torres. Le trophée Frank Tyndale. On va tenter le balayage. Oh! Et au football universitaire, quand tu trébuches, le genou au sol, le jeu arrête automatiquement. C'est une perte de 4 verges. Scott Stevens. Donc, voyons voir ce que les Huskies vont tenter. La dernière fois, ils étaient en situation de deuxième essai et plus de 10 verges. On avait tenté le jeu d'attirer. Ça avait provoqué l'échappée. Mm-hmm. Philippe Audet avait recouvré le ballon. Bilan qui va prendre le ballon des mains de Tim West, son joueur de centre. Il y a 4 receveurs. C'est un 5-6 maintenant. Il n'y a plus personne au champ arrière. Bilan. Oh! Et ça devient une passe incomplète. Il a voulu retenir le ballon et... trop tard pour lui. Le ballon lui a glissé des mains. Et là, c'est vraiment une passe incomplète. Et ça, Brent Schneider se dit, oh, dommage, parce que le Aaron David, le numéro 7, semblait s'être dégagé. Je ne sais pas si on va le voir sur la reprise. Oui, puis regardez aussi du côté du numéro 78, Drew Kendall, qui était libéré.
Il faisait un tracé de coin, c'est-à-dire lorsque le receveur part en ligne droite, pendant 15 verges, bifurque en angle de 45 degrés vers les lignes de côté. Donc, s'éloigne du maraudeur, dépasse le demi de coin, bifurque pour s'éloigner du maraudeur. Ouais. Pierre, il n'y a pas eu de long retour jusqu'ici sur les bottés de dégagement. C'était à la ligne de 32. Et ce ne sera pas ce coup-ci non plus. C'est un dégagement de 38 verges et un retour de 5 ou 6. Le résumé présenté par GM. Mathieu Leblanc, placement de 12 verges. L'affiche d'écart, aucune passe de toucher, 4 interceptions contre Bilan. Et Leclerc, aucune passe de toucher et une interception. 6 revirements contre 2. 6 contre 2. C'est là que ça s'est joué. Ah, bien, tout à fait. Les Huskies qui auraient pu peut-être marquer des points tôt dans le match et prendre une bonne avance, mais la défensive du Rougeard qui a plié, mais qui n'a pas brisé pour l'instant. 3 minutes 6 au sol. Et encore une fois, on se bute à une ligne défensive. Il n'y a pas que la ligne. Il y a tout le monde qui vient mettre son grain de sel. Ouais, un gain d'une verge. C'est le front défensif. Oui. C'est les secondeurs de ligne qui viennent appuyer le travail des joueurs de ligne. On joue de façon agressive, on est près de la ligne de mêlée. You Husky folks have got to make some noise for your boys! On sait probablement que le Rougeard ne veut pas tenter rien de spectaculaire, pas provoquer de revirement. On veut jouer de façon sécure, on a confiance en notre défensive. Mais il faut gagner des premiers jeux. Oui. De part et d'autre, là. Leclerc, bonne protection, mais ça s'écroule et il doit avaler le ballon. Et on a eu au quatrième des sacs du côté de Laval en deux ou trois occasions. On a rabattu Bilan et là, on vient encore une fois de... Mais c'est Gottslig qui réussit le gros jeu, le joueur étoile. Et regardez ce qu'il fait, c'est que ça va à l'extérieur, mais se débarrasse du joueur du Rougeard avec de la vitesse, revient par la suite. Et c'est là qu'on voit l'importance de la technique. Le joueur est un bon joueur, mais qui réussit à maîtriser les techniques. Là. Huerta Flores. Là, il est plus profond que jamais dans sa zone. Pas que jamais, mais depuis la deuxième demi. Dégagement relativement court qui bondit. David le prend. Il n'a pas touché. Et il remonte. Ça frappe dur à la ligne de... C'est un boté de 30 verges, ligne de 53. Alors, écoutez, on parle beaucoup du football qui a une santé superbe au Québec. Mais on a besoin d'arbitres. Alors, vous pouvez participer à des cliniques de formation qui sont organisées un petit peu partout dans la province. Il y a 4 niveaux de certification. Ça vous intéresse? Vous appelez Roger Villeneuve ou encore Jean-Charles Méfé, Monsieur Football Québec. Alors, vous avez les numéros, vous avez l'adresse Internet. Inscrivez-vous. Les jeunes vont être contents. Bilan, passe, captée par David à la ligne de 50. Ça va donner un gain de 7 verges et demi. C'est un style de jeu qui fonctionnait très bien en première demi. Passe rapide. Alors, on joue avec l'attaque sans caucus. Avec 2 minutes, 5 secondes et un peu moins maintenant. Bilan passe, intercepte. Non! Le ballon était dans les mains de Philippe Gauthier. Il a voulu probablement partir tout de suite avec le ballon. Ouais, je crois qu'il se voyait déjà dans la zone début parce qu'il n'y avait personne. Et là, je ne veux rien dire de méchant vers les joueurs de ligne à l'attaque, mais ce n'est pas un joueur de ligne à l'attaque qui l'aurait rattrapé. Regarde. Oh. Tiens. Il s'installe devant le receveur. Et... Oui. Et du côté de la Saskatchewan, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Et on envoie le numéro 31, Chad Nonweiler, sur le terrain avec les indications. Ou peut-être, il va dire, on te dit, Bilan, de me donner le ballon. Troisième essai, 1 minute 59. Les Huskies doivent garder possession du ballon. Bilan y va avec la passe. Elle est ratée. La couverture était, mais vraiment, tu regardais là un chandail vert et il y en avait un blanc qui le masquait.
Le Rouge et Or reprend possession du ballon et les secondes qui s'en vont au tableau, là. Et Brian Torres qui roule les dés. Mais il n'y avait pas le choix, là. Il s'est dit, bon, je vais faire confiance à mon offensive, il va aller chercher le premier jeu, il va continuer. Il aurait peut-être pu refouler le Rougeard à la ligne, avec un bon botté à la ligne de 10. Défensive qui tient. On reprend le ballon encore, mais cette fois-ci, on donne le ballon en milieu de terrain. Il reste encore 1 minute 52 secondes. Il y a combien d'équipes, hier, qui ont réussi à gagner la Coupe Vanier deux fois de suite? Je te dirais que la dernière, c'est St. Mary's. Oui. Et je sais que l'Université Western, en 76-77, a réussi. C'est tout ce que je sais. Dis-moi le reste. Non, je sais pas. Il y a quatre équipes qui ont réussi l'exploit. T'en as nommé deux, là. Alors, et l'équipe qui a gagné le plus souvent la Coupe Vanier, ça me surprend, t'en as pas parlé. Western? T'attendais, je te pose la question. En six fois, un ancien de Western, ouais. Pierre. Mais s'il y avait eu des programmes de football universitaire comme aujourd'hui, dans ton temps... Écoute, moi, j'étais un petit gars de Sainte-Foy. J'ai grandi à 5 minutes du Peps. Ben oui. Je pense que ça a été quand même assez facile de faire un choix. Et là, depuis l'arrivée du Rouge et Or, l'arrivée des Carabins, maintenant le Vert et Or. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi trois autres universités qui ont des programmes de football. Concordia, Bishop, McGill, qui est là depuis 125 ou 126 ans. Et la fête du football au Québec, le Bol d'Or, la semaine dernière... Football en santé. C'est beaucoup grâce à des bonhommes comme toi, Pierre. Ah, bien, merci beaucoup. Mais il y a beaucoup de pionniers dans le football québécois. Puis... Je pensais, quand on a vu le nom de Jean-Charles Méfé tantôt, hein, ce qu'il y va comme effort. Yves Paquette. Jacques Dussault, bien là, ça serait trop long. Revenons au jeu. 1-52 de la ligne de 50. Une remise directement au porteur de ballon. 4 verges de gain. Et c'est le 21 qui est là. Oui, Pierre-Luc Yaou, la percée au centre. Et là, il y a Luc Bordeur-Jourdain, le mascoutin, là, qui s'est relevé péniblement, numéro 68. Alors, ça, on parle d'intensité. C'en est un, c'est un joueur de première année qui joue avec beaucoup d'intensité. Et lui, il s'est dit, c'est pas vrai qu'avec 1 minute 49 à faire dans la Coupe Vanier, je vais sortir du terrain. Ça va en prendre plus. Deuxième essai. Et là, évidemment, le chrono qui... On a demandé un temps d'arrêt du côté de la Saskatchewan. Et ça va permettre, on a vu rapidement William Leclerc dire « Oups, j'en profite, je vais aller causer un petit peu avec M. Étier. » Bien, c'est ça, tantôt, je parlais des décisions d'entraîneurs qui peuvent toujours être discutées parce que, bon, il y a toujours deux côtés à chaque décision. On avait encore des temps d'arrêt. On aurait pu peut-être refouler le Rougeard profondément dans sa zone. On sait que le Rougeard a joué de façon très sécuritaire. Ouais. Quelques courses, rien de bien compliqué. On aurait pu les refouler dans leur zone, reprendre le ballon. Pour l'instant, là... Il y a deux joueurs qui sont là. Jeronimo Huerta Flores et Marc-André Dion qui en sont à leur dernière minute 47 de football universitaire. Benoît Meloche n'est pas là, mais pour lui aussi, c'était une cinquième saison. Et il y en a sept joueurs du côté des Huskies. Deuxième essai. Et de conserver le ballon devient drôlement important. Passe en plein centre, c'est capté. Premier essai à la ligne de 35 dans le territoire des Huskies, et c'est Mathieu Charron qui capte ce ballon. Gros jeu, s'il en est un. Encore une fois, Mathieu Charron, il l'avait fait l'an dernier lors de la Coupe Vanier, avait capté de belles passes à des moments opportuns, fin de course. Et cette fois-ci, Leclerc qui met de la moutarde sur le ballon. Et il est fort physiquement, un bon bras, s'en est servi. Donc, n'a pas lobé la passe. Charron était libre pendant une fraction de seconde et Leclerc l'a repéré. De la ligne de 35. Avec 1 minute 25. Huerta Flores réussit à plonger et gagne 3 verges, 3 et demi, 1 minute 18. Et rappelons-le, la décision des Huskies d'accorder un toucher de sûreté les oblige à y aller avec un toucher. Oui. Un placement n'est pas suffisant.
Donc, on a besoin de... Le rougeur a besoin de... Oui. C'est pas le drapeau de l'Université Laval. Hommage à Huerta Flores. Oublions les statistiques personnelles dans un cas comme celui-là. Et c'est lui qui porte le ballon. Et Huerta Flores se rend à la ligne de... 4 verges de gain. Et regarde les joueurs qui se relèvent péniblement. Ah, et oui. Encore une fois, c'est le même Luc Brodeur-Jourdain. À chaque jeu, là, je dis « Oh! » D'ailleurs, si on peut lancer des fers, on parlait du programme collégial 2A, qui envoie beaucoup de bons joueurs. Et si je peux me permettre, Luc Brodeur-Jourdain, oui. Sébastien Dion, Jean-François Stigui, trois éléments clés de la ligne en attaque, sont tous issus du même programme, 2A. Collégial 2A, le programme de Saint-Jean. Oui, monsieur. Donc, oui, c'est sûr que le 3A, souvent, on parle plus du 3A, mais dans le 2A, il y a une liste impressionnante des joueurs d'André Grasset, aussi des Mathieu Proulx. Une forme d'excellents joueurs dans le collégial 2A aussi. On a mis trop de temps. Non, un temps d'arrêt qui est demandé. Oui, c'est ça. On utilise toutes les secondes et on dit à l'arbitre, avec une seconde, tu appelles le temps d'arrêt. Oui. Donc ça, c'est une tactique utilisée pour bien gérer le temps. 33 secondes. Est-ce que, Pierre, tu es à la ligne de... Est-ce que tu tentes un placement? Non? C'est trop dangereux? Hein? Troisième essai, un petit peu plus d'une verge. Est-ce que tu... L'arbitre va nous dire que le drapeau, il n'y a pas de pénalité, il y a un temps d'arrêt qui est demandé. Bon. Ouais, là, Luc Brodeur-Jourdain qui, finalement, met le genou au sol. Ah oui, je le voyais jeu après jeu, là. Ça devenait mais vraiment pour lui très difficile. On demande... Écoute, on vient, on voit Mathieu Leblanc. Il est à combien? Il va tenter un placement. Un placement d'environ 35 verges. On nous remet les noms des joueurs des deux équipes qui ont été choisis par probablement tous nos collègues de la presse écrite qui sont en bas. Il y en a beaucoup. Le joueur offensif du match pour la Saskatchewan, Nonwiler. Le joueur offensif du match pour Laval, Leblanc. Mathieu Leblanc. Le joueur défensif du match pour la Saskatchewan, Melchiore. On l'a vu souvent réussir de bons jeux. Et pour Laval, ben c'était notre choix. Hein? Oui. Le gros jeu à la fin de la première demi, son interception dans la zone de but. Ça, c'était, mais vraiment, ça a fait bien mal aux Huskies. Oui. Et aussi, il a rabattu des ballons. Et il a joué un gros match de football. Et d'ailleurs, nous, on a notre joueur du match, Bell, qu'il faudra choisir, Pierre. Je vais te laisser le choix. Et puis, le bonhomme dont on vient de vous parler, l'un des quatre, on va faire une entrevue avec Marie-Claude et ce joueur à la fin du match. L'épaule, hein, ça sent le douloureux. Oui. Et cette entrevue vous sera présentée par Desjardins, qui en est à sa première saison comme association avec la Coupe Vanier, qui porte maintenant son nom. Et on a été très heureux de les avoir avec nous également durant toute la saison régulière. Merci à André Forgue, entre autres, qui... a bien voulu s'associer. Merci également. Moi, j'en profite, Pierre, là, avec 33 secondes. Là, tantôt, je remerciais les réalisateurs. Merci à toute l'équipe de production depuis le mois de septembre qui a travaillé sur la réalisation. Et particulièrement à Iris Tremblay, l'assistante à la réalisation, qui fait un magnifique boulot. Alors, on amène l'unité de dégagement sur le terrain. Oui, je pense que c'est sain. Hein? Ah oui. C'est pas le temps de donner un long retour. On sait qu'on est plus vulnérable sur un boté de placement puisqu'on a des joueurs de ligne qui doivent aller surveiller le retourneur. C'est un 14e pour Huerta Flores. Flores qui, normalement, devrait botter le long des lignes de côté. Mais c'est pas facile. Il est à la ligne. Il va botter de la ligne de 37. Oui, ça se fait. Alors, du côté gauche, devrait normalement botter vers sa gauche. La remise est bonne. Oh, oui, je pense que c'est réussi. Le ballon sort. Un bond de trop. Alors, ça fait 7-1. 5 points ou 6 points, c'est pas plus grave que ça. Ah non, je te dirais que dans ce scénario-là, les Huskies sont très contents dans le sens qu'on vient de gagner 35 verges. Ce point-là, comme tu l'as dit, par qu'on perd par 5 ou 6, ça prend un toucher. Oui. Et on gagne 35 verges à l'échange. Et il y a 34 secondes qui restent au tableau indicateur. Oh!
On a eu droit, lors de la présence du Rouge et Or, leurs deux victoires en Coupe Vanier à des matchs très serrés. C'est jamais 2-3. Et là, elles vont être longues pour les entraîneurs. C'est 27 secondes là. Je disais 34 tantôt, là, c'est marqué 27. Et est-ce qu'on y va avec une défensive préventive du côté du Rouge et Or ou on continue de la même façon à attaquer Bilan? Oh, parlant d'attaquer, il est rabattu à la ligne de 28. Philippe Audette était là. Il y a également Robédé qui y était. Et le numéro 92 également. Tout le monde, donc, a mis la main à la pâte. Et c'est la beauté de cette défensive-là, Pierre. On a joué une défensive de zone. On ne veut pas donner de longs jeux. Mais pendant toute la saison, on a réussi à mettre de la pression avec 4 joueurs de ligne défensive. Ça, quand tu mets de la pression à 4, ça te permet de faire toutes sortes de choses au niveau de la couverture de passe. 20 secondes. Bilan y va d'une longue passe. Celui qui était le plus près du ballon, c'est Mathieu Proulx. Il reste 11 secondes. C'est un troisième essai. Et là, pour Brian Torres, Ilias Keys, c'est là ou jamais. Et les partisans du Rouge et Or, qui ont appuyé leur équipe tout au cours de la saison, sont maintenant à 11 secondes de vivre une troisième victoire. Si on a eu l'équipe des années 90, c'était les Huskies. Les années 2000, attendons. Le chrono qui repart. Longue passe. Très longue qui est intercepté. Le ballon dans les mains de Mathieu Proulx. Et c'est la fin. 4 secondes. L'attaque du Rouge et Or qui revient sur le terrain. Mais c'est une simple question. C'est purement académique maintenant. Oui. Oh, et là, la douche est bonne. J'imagine pour le personnel d'entraîneur. Il y avait même des joueurs qui y étaient. Le Rouge et Or de l'Université Laval qui réussit à devenir la 5e équipe dans l'histoire à gagner la Coupe Vanier 2 années de suite. Et ça, après le départ de Mathieu Bertrand et de combien de joueurs? 8 joueurs facilement, 8 partants, 8 aussi, pas seulement des partants, mais des meneurs, des leaders dans le vestiaire. Ça aussi, il faut que tu remplaces ça. Pas juste sur le terrain, mais dans le vestiaire aussi, des gens qui vont montrer aux jeunes. Ouais, hey, mon gars, c'est comme ça qu'on pratique. C'est comme ça qu'on réussit. Donc, tout montrer les trucs. Alors, chapeau! 8h30, 20h30, à l'aéroport de Québec, le Rouge et Or arrive. Le terminal principal. Soyez-y. Je pense qu'il reste une seconde. Un tout dernier jeu. Et ce sera officiel. Le Rouge et Or qui conclut cette saison. 7 victoires, 1 échec en saison régulière. 3 victoires en séries éliminatoires. Et maintenant, il porte haut et fier ce drapeau de l'Université Laval. Dernier jeu. C'est fait. Victoire, les champions. Et tout de suite, on retrouve Marie-Claude Savard et Glenn Constantin. Si elle est capable de garder... Oh, bien heureux, bien satisfait. C'est soulagé plus que d'autres choses, j'avoue. C'est tout un match de football défensif. Et, super, bon, je suis très bien d'équipe. Très bien d'équipe, très bien des coachs. Match spécial, 2 bonnes défensives, une jeune offensive qui ont fait juste assez encore une fois. Alors là, vous entrez officiellement comme dynastie dans le football universitaire. Ah, il n'y a pas de dynastie, c'est du recruté au Québec maintenant. On va savourer ça pour l'instant, mais on va partir à très belle pour essayer de faire quelque chose de bon l'année prochaine. On va te laisser aller célébrer. Merci beaucoup. On a été en mesure. Ah ben tiens, Brian Torres qui vient féliciter son rival. Ça a été une lutte de tous les instants durant ce match. Et Pierre, je reprends ce que tu disais en citant John Madden en début de match. Ce sont les équipes avec Rouge et Or demeure sans pitié qui présentent une unité défensive comme celle-là qui réussit à gagner les matchs importants et ils l'ont prouvé. Mais l'adversaire était coriace. Oh, monsieur. Très coriace. Il faut donner crédit aux deux équipes, mais quelle volonté, quelle détermination, parce que
Le début de match, il faut le dire, le momentum allait du côté des Huskies. On gagnait la bataille des tranchées, la bataille de la robustesse. Tout allait du côté des Huskies, mais on ne réussissait pas à marquer des points. On n'a pas capitalisé. Et la défensive du Rouge et Or, qui, revirement après revirement, a donné la chance à l'attaque de se mettre en marche. L'attaque en a fait juste assez. Mais quelle performance de cette défensive! Les joueurs sont sur le terrain autour de nos collègues anglophones de s'entretenir avec Glenn Constantin. Je pense qu'il va savourer davantage, lui, une fois rendu chez lui. Ce soir, peut-être tard. Mais comme tous les entraîneurs-chefs. Parce qu'on dit souvent, bon, c'est dur pour les athlètes étudiants parce que, bon, on a les cours, on a les études, on a les examens, on a les pratiques, on a les blessures, on a les traitements, on a les matchs, les voyages. Mais que dire aussi des entraîneurs qui passent là des heures et des heures à préparer l'équipe, à donner des plans de match, à décortiquer la vidéo. Donc pour... parce que moi, je l'ai toujours dit, au football, c'est le sport où les entraîneurs ont le plus d'impact. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un match par semaine. Tu prends toute la semaine pour te préparer, pour préparer un plan de match qui tu crois que va donner la chance à ton équipe de gagner. T'as bien raison. Tout de suite, Marie-Claude et un invité. Je suis en compagnie de Jacques Tanguay, président du Rouge et Or. Glenn ne voulait pas l'admettre tantôt, mais vous faites maintenant partie des dynasties du football universitaire. N'empêche, on peut le dire. Pas encore, dans quelques années. On a encore une équipe qui est très jeune, mais deux en ligne, c'est extraordinaire. Puis je pense qu'on n'arrêtera pas, c'est une motivation pour continuer. Je me souviens, au début de la saison, on faisait des entrevues. Si je t'avais dit ça au début, tu aurais eu de la difficulté à le croire. Hein? Qu'on la gagnerait, c'est toujours difficile à croire au début, mais on avait une excellente équipe qui a progressé toute la saison et qui a été coachée de façon exceptionnelle. Puis le résultat d'aujourd'hui le prouve, là, 7-1 dans un match final, c'est fantastique. Il y a beaucoup d'émotions, je le sens là à côté de toi. Beaucoup, ça a été toute la partie. Quand tu as une partie qui est serrée comme ça, c'est beaucoup d'émotion de la partie, mais finalement, on l'a gagné! Bravo! Merci à toute l'équipe de RDS. De retour à Pierre-Étienne. Merci beaucoup, Marie-Claude. Moi, il a raison d'être content. C'est un bonhomme qui... on parlait de gars qui ont beaucoup fait pour le football au Québec. Il faut le mettre en tête de liste avec toute cette implication et ce que ça a généré maintenant. Ah oui! Toute l'implication du Rouge et Or à travers la province, mais beaucoup dans l'est du Québec. On a des anciens du Rouge et Or qui sont partout maintenant, que ce soit dans la région de Chicoutimi, dans le Bas-Saint-Laurent. Et ça fait en sorte que le football, la popularité du football grandit. C'est dans le Globe and Mail cette semaine qu'il y avait deux articles du côté du Canada anglais. On regarde ce qui se fait chez nous et on dit « Wow! » Il y a vraiment quelque chose de bien spécial. Nous, on le vit, on a le nez collé sur la vitrine. Peut-être qu'on ne l'apprécie pas suffisamment, mais je pense que oui, parce que les gens en parlent. Tu as vu toute la couverture médiatique au cours du dernier mois. On a beau dire qu'il n'y a plus de hockey, oui, ça va, mais quand même, ces jeunes-là ont appris à composer également avec cette pression. Le match Carabin-Rouge et Or, entre autres, ça a été vraiment quelque chose. Là. Aujourd'hui, c'est la Coupe Bonnier, mais il fallait se rendre. Et ben, bravo à tous ces joueurs, à tous ces entraîneurs, à ces dirigeants d'équipe et les dirigeants des universités également. Ah oui. Et moi, Pierre, je suis quand même bien placé pour te le dire parce que, bon, avec, avec RDS et les matchs des Alouettes, on voyage à travers tout le Canada. Oui. Et je peux te le dire, et encore une fois, aujourd'hui, il y a un reporter de Hamilton qui est venu me voir. Hey, Pierre, comment ça va? Puis là, il voulait encore me parler de la montée du football au Québec. Oui. Tout le monde, là, je pense qu'on commence à envier un petit peu le Québec. Mais tant mieux. Puis moi, ce que j'aime à travers ça, c'est que c'est du sport étudiant. Oui. Ça donne une chance à nos petits gars de rester à l'école. C'est un outil incroyable pour combattre le décrochage scolaire. Puis chapeau à tout le monde. C'est dur d'ajouter quelque chose après ça. Les joueurs du Rouge et Or, je le rappelle encore une fois, seront à Québec. Ça se fait rapidement. Un vol Nolisé. Ils vont quitter Hamilton. Tantôt, ils vont arriver à 20h30 à l'aéroport à Québec. J'allais dire l'ancienne Lorette, mais maintenant, ça s'appelle Québec, je pense. Là. Et allez les accueillir. Ils le méritent. Champion deux années de suite. Titulaire du championnat canadien interuniversitaire. Il faut le faire. Ah oui, c'est... Bon, on dit souvent que c'est dur de gagner un championnat, mais c'est encore plus dur de le conserver. Alors, je ne sais pas si on a fait mention du joueur du match. Nous, est-ce qu'on le choisit, Pierre, notre
joueur du match Bell. On avait Mathieu Proulx dans la mire. Je pense qu'on peut continuer avec Mathieu Proulx. Il faut dire que c'est un effort collectif de la défensive. Si on pouvait le donner à toute la défensive, oui, je pense que ça serait très bien mérité. Mais si il faut jouer le jeu de la sélection, bien Mathieu Proulx, je pense que c'est un bon exemple. Un bon choix, qui ouais, représente, évidemment... Un, la ligne tertiaire. Oui. Qui a joué un match, mais vraiment exceptionnel. Et également toute l'unité défensive. Marie-Claude et un autre invité. Je suis en compagnie de Geronimo Huerta Flores. Alors, c'est la fin d'une belle aventure, mais ça se termine bien. Oui, c'est la fin de ma carrière aussi, comme universitaire. C'était mon dernier match. Puis, on a gagné, c'est l'important. C'est un rêve qui est devenu réalité. On a commencé à entraîner depuis, ça fait un an. Je m'entraînais au Mexique. Puis on a gagné, c'est important, puis je suis vraiment content. C'était un match vraiment difficile, vraiment physique. Puis les forces qui sont une équipe vraiment physique et vraiment bon. On a l'impression qu'ils se sont concentrés beaucoup sur toi. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour manœuvrer aujourd'hui. Oui, ça, je pourrais... I didn't do nothing. Il y avait des trous nowhere. I couldn't run nowhere and they played really, very tough. Ça, je suis vraiment content. On a gagné, c'est l'important. Puis je m'en vais au Mexique avec une autre coupe vanier. Et là, ben, c'est la fin de la carrière universitaire, mais peut-être pas de la carrière de football, parce que bon, il y a des rumeurs avec les Alouettes, donc il y a possibilité que ça continue quand même. Ben, peut-être. Ben, on ne sait jamais avec les professionnels si l'opportunité arrive, mais je vais les prendre, mais sinon, maintenant, je vais disputer ça à 100%. Et félicitations. Merci beaucoup. De retour à Pierre et Pierre. Merci beaucoup, Marie-Claude. Geronimo Huerta Flores, qui est très heureux. Mais là, Pierre, il y a une question que je vais te poser. Monsieur Huerta Flores, dont j'oublie le prénom, n'a jamais perdu un match lorsqu'il y assistait. OK? Son gars s'en va. Est-ce que la direction du Rouge et Or va lui donner un billet de saison? Ouais. Je pensais que tu allais me dire, si jamais il se retrouve avec les Alouettes, moi, si je suis les Alouettes, je m'arrange pour que M. Huerta Flores soit régulièrement dans les gradins aussi. L'influence paternelle, non, le hasard, quelquefois, qui fait bien les choses. Alors, on vous avait parlé de ces deux victoires de la Coupe Vanier remportée alors que l'équipe Pantia, ça tombe bien, on voit le numéro 14 par 14 points. Aujourd'hui, c'est la moitié moins, 7, mais ce que l'unité défensive a fait durant toute la saison, ça s'est répété, ça ne trompe pas. Le point accordé sur un 5. Alors? Ouais. Ah, c'est exceptionnel, cette défensive-là a été dominante. Elle a accordé seulement 3 touchés pendant toute la saison régulière. 3 touchés. Un par les Carabins, un par le Varéor et un par les Gators de Bishop. Ça veut dire que McGill et Concordia n'ont pas marqué de touché. McGill et Concordia n'ont pas marqué un touché contre le Rougeard cette saison, en saison régulière. Donc, elle a tout simplement continué sur sa lancée. C'est une défensive dominante qui est capable de jouer la robustesse à l'avant, qui a beaucoup d'expérience et de rapidité à l'arrière avec la tertiaire. Donc, c'est une combinaison vraiment là, très spéciale. Alors, tiens, les joueurs du Rougeard savent qu'ils sont appuyés. Ils se dirigent vers les estrades où se retrouvent leurs partisans, mais qui sont toujours là. Laval, champion pour une deuxième saison de suite à la Coupe Vanier des Jardins. Je suis en compagnie de Mathieu Leblanc, joueur par excellence d'un match assez étrange. Ah, étrange, très étrange, sauf que l'important, je pense que c'était notre but ultime, c'est de remporter la Coupe Vanier, puis peu importe le score, le résultat a été accompli. Moi, je peux dire que les dernières minutes le long des lignes de côté, ça a semblé une éternité. J'imagine que pour vous autres aussi, ça a été long. Ah, grosse éternité, surtout quand au moins on a pu réussir l'interception, notre attaque embarquée, puis on savait qu'il ne restait plus de temps mort, donc on a pu profiter, mettre le genou à terre, puis fêter notre victoire. Vous avez réussi à mettre beaucoup, beaucoup de pression sur Steve Belland. À un moment donné, on a senti de l'autre côté qu'il s'était désorganisé. Là, vous les avez eus à l'usure, finalement. Oui, je pense que ça a été un peu difficile en début de match. Sauf qu'il faut donner le crédit à notre défensive. Défensive gagne les championnats, c'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Parlons un petit peu de l'inspiration du Rouge et Or. Vous avez eu beaucoup de difficultés cette saison. Il y a eu Dominique Picard. Mais tout ça, quelque part, ça vous donne un air d'aller, beaucoup d'inspiration. C'est sûr que l'absence de Dominique sur le terrain, c'est une grosse absence physique. Sauf que sur le plan émotionnel, leadership, je pense que quand Dominique parle, les gens écoutent. T'sais, quand Dominique sourit, les gens savent qu'ils sont en bonne main. Je pense que c'est ça qui a fait la différence, surtout pour notre ligne à l'attaque aujourd'hui. Vous allez fêter fort, j'espère. On s'en parlera demain, parce qu'à l'instant, c'est ça que je suis en train de passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De retour à Pierre et Pierre. Merci, Marie-Claude. Alors,
l'entrevue qui vient d'être réalisée avec le joueur par excellence du match vous a été présentée par Desjardins. Et la semaine dernière, on l'avait choisi, nous, comme joueur du match, Pierre, Mathieu Leblanc de Saint-Bruno, qui doit être un gars très, très heureux. C'est un sport d'équipe, évidemment, mais il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que le talent d'un joueur est plus reconnu. Ah, c'est un joueur de première année. Oui. Et qui s'est illustré dès les débuts, donc a fait de beaux attrapés, a été impliqué pendant toute la saison. Donc, c'est un avenir prometteur pour Leblanc et plusieurs autres joueurs du Rouge et Or. Oui, on l'a mentionné tantôt, il n'y en a que trois qui sont des joueurs de cinquième année. Donc, ce qui veut dire que normalement, tout ce beau monde va revenir l'an prochain. Évidemment, à condition, il ne faut pas l'oublier de réussir dans ses études. Ça, oui. c'est ça, je le répète, c'est la beauté du football. Mais oui. T'aimes ça le football, mon gars, et tu dis... C'est pas juste passé, ça prend des bonnes notes aussi, là. Oui, oui. Donc, c'est très sévère, puis moi, c'est ce que j'adore de ce sport-là. Mais j'espère qu'ils vont leur donner congé court pour demain. demain, il n'y aura pas de problème, c'est dimanche. Ah, c'est vrai, bien! Alors, ben, tant mieux pour eux, mais c'est peut-être la journée où ils étudient. Alors, on rejoint tout de suite Mike Claude. Alors, Mathieu, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as été choisi le joueur du match Bell par notre équipe de présentateurs, Pierre Vercheval et Pierre Durivage. Bien, merci beaucoup, Pierre et Pierre. C'est bien gentil, mais je pense que le crédit vient à toute la défensive aujourd'hui. J'ai eu un bon match, mais c'est vraiment un effort d'équipe aujourd'hui. C'est incroyable dans la défensive. Ça a été un match un peu étrange. Est-ce que la deuxième Coupe Vanier est meilleure que la première ou c'est pareil? Bien, c'est drôle, hein? Ça... un peu au match l'année passée, a fini 14-7. C'est un match de position de terrain. Si c'est meilleur qu'à l'année passée, je ne vais pas dire. C'est toujours différent. Je me sens honoré de pouvoir dire toujours, comme j'étais habitué de gagner les Coupes Vanier. Mais ouais, c'est définitivement spécial. Plus je prends de l'expérience dans l'équipe, plus je prends une place importante. Puis ouais, spécial, comme l'année passée, je ne veux pas rien, je sais pas. En tout cas, du pétit. Je pense que ça va faire effort. Ah, j'espère. Je pense bien. Ben, il faut retourner aux études, par exemple. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. De retour à Pierre et Pierre. Ah. C'est donc plaisant d'écouter ces gars-là parler. Hein? Tout de suite, il a mentionné ce dont on parlait tantôt. Oui. Groupe pour retourner aux études aussi. Ah, oui. Il a aussi mentionné que je ne suis pas tout seul là-dedans. C'est toute la défensive. Un sport d'équipe. Alors. On voit Vincent Léo avec la Coupe Vanier. Première année dans le football universitaire, comme Mathieu Leblanc.